Dis-nous, je dis, moi, je vais parler parce que je suis un métier original. Comment est le système Salio? Je dis, moi, je vais parler de. J'aime bien avertir, non? Et je dis, moi, je vais parler de Reginald Boulos. Alors, m'invitez-nous tout d'abord, cher live, là, parce que. Jeune homme, ça m'a parlé de lui. Hein. C'est un élément qui dans la politique pays nous, qui gagne un poids tout à fait extraordinaire, qui n'est pas vraiment négligeable. Nous allons essayer de comprendre, monsieur, et m'inviter, nous, tant pis, cher live là, pour l'autre monde capable de venir. So, avant de commencer, je vais commencer, cher live là, avant de commencer à parler. Non seulement je vais le faire, je vais traiter des points tout à fait extraordinaires, je vais faire un rappel. Historique, nous allons faire une mise en contexte et nous allons aussi, bien entendu, expliquer nous qui rapport qui gagne jour et jour dans la situation. Je ne sais pas si nous avons des moins faibles qu'on est parce que nous avons des problèmes de son et si nous attendons des moins ou bien si nous pas attendons des moins faibles qu'on est. Mais évitez nous, chers live là, de façon. Alors, c'est une façon de parler. Patrico, Patricio, chers live là pour moi, mes amis, chers live là parce que. Pour l'arrivée là qui arrive. Parce que monsieur fait une interview matin. Ça fait deux interviews, monsieur me suit. Monsieur vient de faire avec Robinson. Et moi suivre une deuxième li fait matin dans Matin Caraïbe avec Bob C, bien entendu. Moi, je montre nous, en gros, leur affaire analyse du discours pour nous cerner le type. Et normalement, à travers l'intervention, ça a monsieur a fait, qui s'est caché en réalité derrière. Derrière l'esprit monsieur, et qui vision qu'a développé, qui conception qu'a développé à travers l'individu, qui message, le symbole, le symbolisme qui est caché derrière monsieur. Pas oublier bien, m'a dit nous ça, et monsieur a fait intervention là, dans un contexte, alors m'a fait mise en contexte pour nous, il y a un livre qui fait sortir sur monsieur, que Reynald Liberus écrit livre ça, et nous t'avons Reynald Liberus, bien sûr, t'as allé dans l'émission et Robinson là. Côté Robinson, bien entendu, t'as fait une interview avec Reynald Liberus sous livre écrit sous Reginald Boulos. Mes amis, chers live là, pour moi, vous êtes capable d'avancer. Je dis un bal extrêmement très méthodique. Je vais avancer avec nous de façon méthodique pour nous capable permettre nous à gagner une certaine compréhension, non seulement du pays, mais aussi de catégorie sociale dans la société haïtienne. Qui rôle yo jeu, qui poyon en dedans économique et en dedans politique, en dedans pays d'Haïti. Et pour qui raison, de temps en temps, yo toujours un moun sa yo mal, yo toujours pointé yo du doigt. Est-ce que pas gon confusion autour de monsieur, de Jean nous percevoir monsieur sa yo? Et moi l'essayer, dans tout bouillaya sa, fayon éclairci situation pour nous capables de compréhension. Tout à fait clair de l'individu ça. Mes amis, Wilson m'a salué toutes amis encore une fois de plus. Avant de commencer avec live là, mandez-nous, je t'en prie, share de live for me, share de live for me, share live là de façon à ce que d'autres monde capable d'arriver. Moi-même personnellement, faut me dire nous, m'tap suivre interview monsieur à matin hein, sur les plateaux de Radio Caraïbe et je pensais que tu gont laxiste. Je pensais que tu gont laxiste ou bien que tu gont carence en matière de préparation. C'est-à-dire que je pensais que monsieur n'est pas suffisamment préparé, journaliste n'est pas suffisamment préparé pour te interviewer et Reginald Boulos. Il y a une raison qui fait me dire ça, c'est parce que comportement monsieur journaliste vraiment trahi. Il est vrai que Bob s'est tapé, ouais, s'il était qu'antigen sarcastique comme d'habitude, on comprend, mais faut être capable que monsieur était antigen gêné. Il était tellement clair que nous sommes arrivés dans une situation côté que monsieur peut poser Boulos de vraies questions qui, je ne veux dire, le plus souvent a traversé l'esprit au paquet haïtien en dedans société haïtienne. Et faut me dire nous bien, c'est pas pour cette raison que monsieur peut, parce que en réalité. L'autre dit Boulos, ou pas dit on est simple. Boulos, c'est pas n'importe qui nous dit. Boulos gon poids, Boulos gon réseau de connexion.
Boulos gagne un poids qui pesait dans l'économie et dans la société haïtienne. Non. C'est-à-dire, je dis, si on parle de Boulos, ou un petit journaliste en Haïti, ou paye interview avec Boulos, bon raison pour ça. Vous avez entendu que Boulos, n'est-ce pas, doit arrêter, il a coupé visa, parce que vous connaissez une pression, une violence qui fait sous ce monsieur journaliste, vous n'avez pas qu'à voir, j'ai encore, vous avez entendu, vous n'avez pas qu'à relation avec l'ambassade. Vous avez dit, nous avons monsieur dans une situation extrêmement vulnérable par rapport avec Boulos et vous avez Boulos chiant pour te étendre. Mes chers amis, je me dis non, pour nous comprendre le type Boulos. Monsieur dit que grand-papa, arrière-grand-papa, est arrivé sur petit rappel m'a fait pour nous. Tu es entré en Haïti en 1878. Maintenant, il faut comprendre. On prend date ça sont date clé. Les amis, chers live là pour moi, parce que l'impossible. Et Jean-Baptiste l'a montré là, l'impossible pour Reginald Boulos à tourner un véritable candidat pour 2022. Et nous, monsieur, souvoir ça. Maintenant, il faut comprendre que en 1878, date ça que monsieur dit, papa était, grand papa était entré en Haïti. Hein. Faut me comprendre bien, en 1878, comment le monde l'entendait. Et pour qui ça, arabe ça, il sorti juste dans le Moyen-Orient. Les Syriens sortis juste en Moyen-Orient, ils ont atterri en Haïti. Surtout dans les Caraïbes blancs et Amérique latine non, et aux États-Unis. Et bien, il faut me dire que M. Sayo, Arabe Sayo, a fui une persécution religieuse que l'Empire Ottoman en 1876 a mis dans le Moyen-Orient. Persécution, ça, puisque l'Empire Ottoman a fait une tête de constitution en 1876. L'Empire Ottoman, qui normalement, a fait une la majorité, c'était normalement, c'était musulman, eh bien, toute musique, tout est syrien à l'époque, juif, orthodoxe et chrétien, yo t'a subi persécution libanais, yo t'a subi persécution nommée musulman yo, à l'époque. Eh bien, ça t'est passé, yo t'es pris exil, yo t'es parti quitter le pays, ça, yo t'es venu en Occident, majorité yo t'es descendu en Europe, gagné tout, qui t'est tombé en Amérique. Laisse l'Amérique ouvrir parce que tu as une vague immigration que tu as fait. Pas oublier, nous en 1876, l'Amérique ouvre vague parce que 1860, en 1860, les États-Unis ont commencé après la guerre civile, la guerre abolition fait de système esclavagiste aux États-Unis. Maintenant, M. Sao a commencé à venir dans l'Amérique latine, les Syriens. L'autre dit Syrien, ou gagne là dans les Libanais, les Syriens, les Égyptiens et les Palestiniens. Maintenant, les nègres vini. Il y a un groupe nègre pas oublié qui prend dans les Caraïbes là. Parce que nègre les ont tombé aux États-Unis en majeure partie. Ils prennent ça, ils ont la nationalité américaine. Ils prennent le citizen américain. Avant nègre descendre en Haïti, nègre te vini. Américain d'abord. Négo te vin américain d'abord avant yo descendre en Haïti. Négo avant yo descendre yo papier en Amérique latine non, yo vin américain d'abord. Faites attention à ça m'a dit hein, parce que ça m'a dit extrêmement important. Les négo descendre en Haïti, c'est pas pour sans raison négo te descendre en Haïti. Négo pas descendre en Haïti parce que négo pas jouer un rôle instrument entre les mains des États-Unis d'Amérique. Pour contrecarrer l'influence européenne en Caraïbes et en Amérique latine. Faites attention, ça va me dire extrêmement important parce que je vais pas dans le contexte géopolitique et stratégique, pas oublier, nous sommes au 19e siècle, pour nous comprendre à partir de la doctrine de Monroe comment les États-Unis pourraient utiliser les Arabes, les Syro-Libanais, les Juifs. Pour le voyer avec ça en Amérique latine, pour le voyer avec ça en Caraïbes blanc, de façon à ce que pour M. Sayo Kal prenne contrôle économie pays Sayo, de façon à ce que pour contrecarrer bien évidemment et la puissance européenne, pour diminuer la puissance européenne dans toute Caraïbes blanc et en Amérique latine. Effectivement, c'est le travail ça qui va le faire. Faites attention, suivez-moi bien parce que nous allons côté avec nous là. Le Reginald Boulos dit qu'on sait que papa, grand papa, est arrivé en Haïti en 1878. Ça, monsieur, dit effectivement vrai. Parce que aux alentours de 1878,
C'est à même époque ça, mes frères, amis mignons, haïtiens pareil, moi tendez même, c'est à même époque ça que les États-Unis besoin fin prend contrôle. Après la guerre civile aux États-Unis, fin pour contrôle, les États-Unis net en général, ils maîtrisent West Coast là avec East Coast là, qu'on y a les États-Unis besoin d'étendre sous toute Amérique latine. Maintenant, il faut comprendre que pendant les gars étendent sous toute l'Amérique latine, les gars pourraient utiliser les Arabes, ils pourraient utiliser les Juifs venus de la Palestine, venus bien qui t'es chat, qui t'a couru forme persécution, le bayou pal étant négio, non Amérique latine, non Caraïbes blanc. Et faites attention, nous allons voir Wall Next, on va jouer non politique en Haïti et non économie paysan et contre pour contrecarrer l'influence américaine. Pas oublier la doctrine de Monroe que Monroe était prononcé dans le Congrès américain en 1800, aux environs de 1825 ou bien 1823. Faites attention de 23 à 25. Moun qui pourrait permettre doctrine Moro sa mise en application dans l'Amérique latine, qui pourrait jouer un rôle important, ce sont les Arabes. Avant Arabes ça descend en Haïti, yo bay tèt yo sa le citizenship américain. Maintenant, tendez bien ça m'a dit. Tendez bien ça m'a dit pour nous comprendre. Les nèg yo descend en Haïti, première vague là commencé aux alentours de 1878. 1890, gon paquet vague cap descend et Libanais, et Juifs, et Syriens, yon tout descend en Haïti. Mais faites attention, l'esprit commerce que nèg yo te gen, les nèg yo descend en Haïti, avant 1878, c'était mulat qui t'a mené dans des pays. Faites attention, monsieur, c'était mulat qui t'a mené dans des pays. Alors, il faut comprendre que à ce niveau, mulat ça qui t'a mené dans des pays, c'est par rapport avec les nègres, les noirs en Haïti. C'est deux catégories ethniques qui étaient en conflit pour qu'ils contrôlent le pouvoir avec le contrôle économique. Maintenant, les mulats étaient représentés bien évidemment et l'Europe, la culture européenne en Haïti. Les noirs eux-mêmes ont bataillé aux alentours pour être capables de représenter la culture haïtienne à travers la culture africaine pour être propulsés. Maintenant, il y a un petit problème sérieux qui va le poser. Le problème qui va le poser, c'est que les États-Unis, l'Elvo et M. Sayo, si au Liban et en Haïti, M. Sayo va commencer avec un commerce, il est commerce bon la main. M. Sayo va commencer à vendre des textiles, des bagailles, mais il ne va pas garder, mulat, il ne va pas garder M. Sayo mal, il ne va pas garder si au Liban et mal, il ne va pas garder tout non, il ne va pas garder les mangeurs de couleuvre, il ne va pas garder tout non sale, il ne va pas l'humilier, il ne va pas garder mal. Tellement, monsieur Libanais, ça aussi, au Libanais, ont tellement subi humiliation et discrimination avec préjudice, négo étant la majorité négo étant dans l'autre ville de province, côté que y a marché, frappé porte Kaimoun, vend, y a tourné commerce ambulant, y a vend moun, non, et y a même a fait connaître que c'est monsieur Saoud vient avec système de crédit en Haïti. Maintenant, il faut comprendre que, et à ce niveau-là, pour aller gagner deux, il va commencer à subir persécution. Pour qui persécution va le subir? Non Alexis pour promulguer une loi anti-syrienne. Une loi anti-syrienne. Loi ça c'est pour interdire monsieur ça au fait commerce. Pour quelle raison? Parce que l'économie en Haïti, il était géré, il était contrôlé par les Français, il était contrôlé par les Allemands et il était contre Allemands et Français, ils étaient mettés ensemble avec les Anglais, avec Mulatio pour avoir contrôle de l'économie. Maintenant, si M. Sayo, Libanais, ça aussi, ou Libanais, ça, catégorie, ça a vu paraître, sous l'impulsion avec force américaine, ils ont commencé à émerger. Mais émerger dans la société américaine, non, vine au problème, vine par toute société a problème. Ils ont pas subi persécution. Et toute persécution ça yo que y a subi dans mes mulat yo, dans mes français yo, dans mes anglais, dans mes européens yo qui en Haïti, nèg yo wè monsieur ça comme une véritable menace pour yo parce que c'est yo ta c'est mulat yo, c'est européen ta fait et défait. Et bien ça quoi le passé, yo pral même accuser nèg yo de 1902 à 1915. Mes chers amis, de 1902 à 1915, monsieur Sayo pral subi une véritable persécution et yo pral accuser monsieur Sayo comme si c'est à yo même qui t'a encouragé américain yo vin intervenu en Haïti à travers Sayo relé l'occupation américaine de 1915 à 1934.
Maintenant, faut comprendre pour qui raison. Effectivement, parce que majorité non, si au Libanais, c'était American citizen. Maintenant, puisque c'est American citizen, et il a subi persécution de la part des Européens, de la part des Français, de la part des Allemands qui contrôlent l'économie, de la part des mulattes qui marrent comme nourriture avec les Européens. Américains qu'on y a pour le protéger catégorie sociale, ça va l'obliger de descendre dans le pays. Il n'y a pas l'intervenu, il n'y a pas l'utiliser en excuse. Pas oublier, c'est Sénatus le compte. Il y en a un qui t'a fait plus de problèmes, qui t'a promulgué en loi, c'était ce Sénatus le compte. Mais parler national pour exploser avec ce Sénatus le compte, moun yon pral di nan société a qui explose par les ça c'est et catégorie sociale ça qui c'est les si au Libanais yon pral accuse yon pral di c'est yon même qui cause qui fait explosion ça qui explose et par les et bien les ça persécution pral d'emblé nan derrière yon et bien ça pral passer nan moment ça et ça pral vin permettre à ce que États-Unis intervenir en dedans pays a pour protéger nèg yon. Les Américains vini en dedans pays a mes chers amis. Américain yo commencé prend monsieur ça yo, li commencé prend si au Libanais yo, li commencé valoriser en dedans société haïtienne nan, li commencé monter yo, li commencé mettre yo en valeur dedans société américaine nan, mulat yo pas trop aimer ça. Mes amis, tendez bien ça m'a dit hein. Mulat yo pas trop aimer expansion que si au Libanais yo apprend avec les États-Unis kap ba yo jare. Ça mulat yo fait. Mais là que tellement intelligent même j'ai été fait pour te prendre indépendance pour nous te prendre indépendance yo pral encourager ti monsieur noyo yo pral venir avec un mouvement yo les mouvements nationalistes yo pral venir avec mouvement nationaliste là et puis ti monsieur noyo yo même pour contrecarrer l'occupation américaine là pral venir avec ce qu'on appelle l'idéologie noiriste qu'on y a pas rien deux grands mouvements qui pral mettre ensemble les nationalistes que les mulats pour aller mettre tête ensemble pour voyer monter pour faire comprendre qu'il y a pas besoin de présence américaine en dedans pays patati patata les noirs le mouvement noiriste qui pour aller mettre tête ensemble pour faire comprendre que discrimination raciale ça a fait en dedans pays parce que américains yo pas servi avec noir on connaît toute administration l'état c'est mulat c'est si au Libanais qui a occupé fonction toute institution l'état yo toute banque nationale qui est en dedans pays hein c'est mulat qui prend contrôle yo avec si au Libanais monsieur noyo ouais yo commence à écarter dans pouvoir parce que l'armée vient craser yo pas refaire l'armée à la manière des américains. Eh bien, tout le état-major, l'armée, c'est les mulats qui peuvent être contrôlés avec les Syro Libanais. Qu'on y a ça pour le passé, qu'on y a. Si monsieur Noyo pour décider pour mettre un mouvement en place, il y a un mouvement noiriste, idéologie noiriste, que Jean-Claude Duvalier pour lui-même pour le reprendre encore pour être capable de prendre et arriver président. Mes amis, c'est dans le contexte ça que bataille ça a toujours existé entre les mulats et les Syro Libanais. Mulats ont toujours un penchant pro-européen, si on Libanais toujours gagne un penchant pro-américain. Nèg sa ou c'est pro-américain yo ye, alors que mulat yo même yo pro-européen. Maintenant ça va le passer. Ti monsieur noir yo même yo trouve une situation extrêmement difficile. Mouvement noiriste nan, pral bay sa ou les révolutions de 1946 côté que les nèg yo fin voyer et mandé départ américain qui pourrait quitter le pays en 1934. Maintenant, bataille la balle prend terrain encore. Qu'on y a comment bataille la balle poser, c'est mulat encore qui parle de bataille avec Timoyo. Mouvement noiriste n'a pas reprendre pied et puis qu'on y a bataille pour prendre contrôle politique pays pour prendre le dessus. Ça va passer qu'on y a une entente qui va le faire entre les mulats et les noirs pour écarter monsieur Syrien et femme politique, de politique pays. Monsieur Opal Baye. Si monsieur mulat yo pral di OK, nous pas de problème et ti noyo met pran pouvoir, yo met pran pouvoir politique là, nous même n'a pas contrôle pouvoir économique là. Mulat yo roche koyo de 1934 pour rive 1946 à 1957, mulat yo roche koyo pour yo prend contrôle économie. Maintenant ça passe en 1957 lorsque Duvalier arrive au pouvoir. Duvalier qui était animé par l'idéologie noiriste, non? Pas oublier, Duvalier était étudié ici aux États-Unis. Il était venu faire médecine, santé publique aux États-Unis. Les monsieur a mené une petite campagne, premier petit job de jeune pour la retirer pied en pied. C'est les États-Unis qui étaient financés
bagay ça pour monsieur. Quand y a là monsieur entré en bas vente si au Libanais parce que monsieur était un petit problème raciste avec émulateur qui était contrôle l'économie. Et monsieur était victime tout lui-même de discrimination avec préjugés mulatiers. Maintenant ça Duvalier fait en est intelligent qui t'a travaillé aussi pour américain. Ça Duvalier fait les Duvalier monté Duvalier prend petit monsieur et si au Libanais ça le fait avec américain. Li prend monsieur Charles li formé une nouvelle classe en face mulatio. Au lieu Duvalier mettez en place une bourgeoisie noire, Duvalier pas mettre en place une bourgeoisie noire. Duvalier kembe tout petit nèg noir dans illettré pour pas qu'on li pour pas qu'on écrit. Duvalier range colli, li prend si au Libanais yo, li ba yo occuper toute économie paysan, li ba yo entreprise publique pour gérer et puis au détriment de mulatio et puis monsieur a marché massacrer toute mulat qui gagne dans paysan, ba mulatio problème parce que monsieur t'a vengé mulatio du fait que yo victime de yo et puis monsieur propulser et classe politique classe yo relé classe au Libanais. Maintenant on comprend pour qui raison journée jodi a Boulos. Là, le temps de Boulos a parlé, il y a un passé que Boulos portait sous dol. Boulos n'a pas parlé comme Boulos. Boulos a parlé pour une catégorie, un groupe qui gagne un certain poids en dedans société haïtienne, qui sont les Syro-Libanais, qu'on appelle les Syriens, qui gagnent en dedans, ils représentent une véritable force par rapport avec l'autre catégorie sociale qui existe en dedans société. Maintenant, le problème qui est posé, c'est que monsieur Sayo qu'on y a vienne comprendre n'a pas gain esprit, yo n'a plus gros problème que monsieur si au Libanais ça a gagné, yo pas gain esprit de production. Nèg ça a pas quoi dans investissement dans production locale. C'est ça problème dans production nationale. Nèg ça a pas gon vision nationaliste. Nèg ça a été toujours gon logique commerçant. Ça veut dire depuis bay nèg ça l'argent, premier depuis bay si au Libanais l'argent premier bagage qui dans Mali c'est importer et puis vendre en gros et puis faire bénéfice. Mais il n'y a pas de production nationale avant, il n'y a pas de lancer production, investir dans un paquet de production nationale pour empêcher, pour permettre à ce que vous créez travail. Non. Monsieur Sayo, au lieu de investir dans la production nationale, vous plus quoi dans le commerce. Et c'est ça qui fait logique, ça n'est pas faute. C'est tout le monde en Orient même qui constate qu'il y a logique commerce là. C'est pas et pas là où Reginal Boulos recevront l'argent où est ces machines à l'acheter pour venir vendre dans le pays. Puis quand nous pensons que c'est lui même consciemment fait, non, son réflexe, oui, qui comme ça. C'est comme ça qu'il réfléchit même, son logique qui n'a maillot même, oui, logique commerce là, oui. Et c'est ça que fait Américain, te pousser yon même venir en Amérique latine, hein, avec Caraïbes, de façon pour yon intégrer ça, le commerce en dans l'esprit, dans la société ça, oui. Parce que pour ouvrir l'économie, on ne peut pas importer des produits. Pas oublier, dans l'époque, ça, c'est si au Libanais, ça, qui qu'on a pas acheté des produits dans les Américains et puis venir vendre en Haïti. Alors qu'en Haïti, c'est mieux là que qu'on a pas acheté des produits européens avec Allemands, venir vendre en Haïti. Maintenant, monsieur, ça, eux-mêmes, ils ont acheté des produits américains et puis ils viennent vendre en Haïti. Ça veut dire qu'ils représentent une force économique pour les États-Unis d'Amérique. Alors que les mulats à l'époque qui étaient contre l'économie, ils ont été représentés une véritable force pour les Européens. Mais l'État haïtien qu'on a à travers Duvalier, pral baïne un gros pot, pral ouvrir un gros pot, et c'est alliance ça en plus qui était fait entre Duvalier avec les États-Unis d'Amérique. Alliance ça que Duvalier était fait avec les États-Unis, c'est ça fait grand pile auteur, je ne vous dis pas, d'histoire qui toujours dit que Duvalier c'était un agent CIA. Et il y a un pile éléments qui capable prouver qui allait dans sens ça qui capable dire vraiment monsieur c'était un agent CIA parce que et monsieur protéger les Syro-Libanais, il monte yo, il fait venir véritable force économique dans la société par rapport avec les mulats. Et d'autre part monsieur te vin joue un rôle important pour les États-Unis par rapport avec mouvement communiste qui a développé en Haïti. Et dans la même période, ça, les États-Unis pas d'accord à ce que le mouvement communiste ça vienne étendu dans les Caraïbes blancs. Eh bien, ils ont accepté la dictature du Valier dans la période, ça, parce que le mouvement communiste n'est pas d'accord. Ils ont accepté, ils ont fait alliance à monsieur, ils ont protégé la dictature, même les monsieur Krasé, Zolti et Moun, ils ont protégé la dictature monsieur. En retour, monsieur permet le commerce. Là, tu me dis, nous, bien, on va faire une belle analyse économique avec nous.
Une raison qui fait Duvalier fait une alliance avec classe économique ça, secteur économique ça qui s'est laissé au Libanais. C'est parce que nèg yo té gon conception de l'économie libérale. C'est-à-dire yo croit dans commerce libéral, c'est-à-dire libre entreprise, libre marché, marché pour faire sauver et dans l'économie. Laisse le laisser faire. Mais pas oublier dans même époque ça, nous on en période de la guerre froide, il y a une grosse tendance idéologique, révolution cubaine en fait. Gon gros idéologie qui a bouleversé Amérique latine et qui a bouleversé presque Caraïbes et qui a fait chemin pour entrer en Haïti. Les États-Unis pas vle. Les États-Unis pas soutenir toute dictature qui gagne dans la période là pour contrecarrer idéologie ça qui c'est idéologie communiste là. Et bien il pral instrumentaliser classe pour classe, classe ça yo les si au Liban les jeunes aujourd'hui qui opulent économique ça pour faire alliance avec pouvoir papa doc là pour contrecarrer non seulement les mulas mais aussi pour contrecarrer mouvement et idéologie communiste là. C'est-à-dire à ce niveau-là où gagne non seulement papa doc qui travaille pour américain ou gagne aussi les CEO libanais non seulement qui américain et qui travaille pour kembe l'idéologie capitaliste là en Haïti contre l'idéologie et européen et communiste là. Pas oublier l'idéologie communiste là, il commence et la Russie il passe en Europe, il frappe l'Europe et la descend dans toute Caraïbes là, États-Unis pas d'accord. Et bien va utiliser tout moyen ça pour contrecarrer. Maintenant pour quelle raison fait ce rappel historique ça pour nous mes chers amis, c'est pour nous arriver sur les sur individu sur monsieur ça ou l'original Boulos là. L'original Boulos a un petit problème naturellement avec nous capables de discussion avec Aristide. Et nous avons un problème bien déterminé avec Aristide. Nous sommes un problème dans vie de nature idéologique. T'as bien de nature idéologique parce que monsieur sont capitalistes rougeliers, sont l'esprit commerçant qui toujours ne manie monsieur. Monsieur, c'est droite la dure, monsieur. Mais idéologie communiste là, que, et gauche là que et Aristide représentait. Monsieur pas d'accord avec, c'est-à-dire bon problème idéologique, bon clash idéologique d'abord que monsieur des problèmes avec. Deuxième bagaille que monsieur des problèmes, c'est que monsieur pas d'accord pour Aristide, n'est-ce pas, ou pas d'accord pour Aristide craser l'armée d'Haïti. Parce que pas oublier, l'armée d'Haïti a toujours été un instrument dans mes classes possédantes en Haïti, dans mes bourgeois en Haïti, pour être capable de contrôler l'appareil d'État. Pas oublier, Nexa Oseo dit qui est-ce qui peut entrer dans l'état-major, l'armée, l'entrée dans l'académie militaire ou vin sauté officier, Nexa Oseo la bon femme milate dans le monde, yon la bon tissu au Libanais ou même si noir tête green, automatiquement ou au service de eux-mêmes. Deuxième bagage qui peut corrompre l'armée d'Haïti, c'est que tout ou état-major, l'armée d'Haïti, de pour fin graduer en dedans, dans l'école, au fin graduer dans. Et l'école militaire l'autre bois automatiquement yo get américain get en metto sous payroll pour capable tourner un informant pour lui. C'est ça qui va arriver Sidras, c'est ça qui va arriver et tout au état major l'armée d'Haïti, tout nèg ça c'est ta travail pour États-Unis d'Amérique. Yo fait alliance là, l'armée d'Haïti fait alliance stratégique avec les bourgeoisie haïtienne là. Yo kembe peuple là dans tout pisime, yo compte idéologie communiste là, yo compte et masse peuple là pour pas qu'on lit, yo fait alliance pour yo kembe peuple là dans fait noir et puis pour yo asseoir autorité yo pour yo kembe peuple là dans tout pisime pour peuple noir tête grain pas jamais lever tête garder. Et c'est ça t'expliquer jeune aujourd'hui ou kawe même Bob c'est a poser une ces questions. Bob c'est tu monsieur autant pour zombie devant Reginald Boulos. Reginald Boulos tellement a étonné parce que senti le pouvoir ou est même Bob Seti monsieur yo pas ka ouvrir koyo devant Reginald Boulos parce que gen yon violence symbolique qui fait dans l'esprit ti nèg noir tête grenant et bagay sa gon poids historique qui pèse là-dedans parce que gon cocodage qui fait bon alliance qui fait entre l'appareil de l'État, une série de secteurs en dedans l'appareil de l'État avec bourgeoisie haïtienne pour tout pisip masse là. Non seulement pour tout pisip masse là, pour kembe masse là dans ignorance, pour pas qu'on lit, pour pas qu'on écrit, pour pas étiqueter, pour kembe la pauvreté. Mais aussi si pas si masse là, à un moment donné, peuple ça t'a vle manifester velléité li pour t'être capable revendiquer droit li.
nèg sa yo a utilisé tout appareil l'état qui t'a gagné même j'ai te fait du divalier pour yo craser velléité peuple là pour pas revendiquer et ceci pas oublier c'est pas celle nèg sa te gagne bourgeoisie mula si au Libanais te mettait ensemble te gagné dictature du Valier à travers l'armée d'Haïti et puis vers celle qui parle mettre tête marié contre nos britio avec bourgeoisie ajouté bien entendu avec les États-Unis d'Amérique qui prend mettre ensemble avec l'église catholique. Il y a hiérarchie l'église catholique parce que tu as deux hiérarchies dans l'église. Entre l'église catholique, c'est hiérarchie dans l'église catholique là qui t'es besoin pays qui t'es toujours mélangé code non britli avec bourgeoisie là avec bourgeoisie et bourgeoisie ici au Libanais avec dictature du Valier avec États-Unis avec la France d'Occident pour yo kembe peuple là dans fait noir. Pour yo peser peuple là. Maintenant peuple là t'es trouvé dans une situation pas gagne monde qui pour défendre ni. Nous seulement peuple arrive dans une situation, pas de monde qui peut défendre. Et Duvalier lui-même, pral font gens que lui insister pour peuple même pas apprendre lui à écrire. C'est ça que fait aux alentours des années 86, les mouvements sociaux ça fait en Haïti. Nous prenons que du grand monde ça y est entré en 1986 avec tout pas qu'on lit, tout pas qu'on écrit. Yo tenir presque pas qu'on lit, pas qu'on écrit. Parce que éducation en Haïti pas ton priorité pour gouvernement pour régime Duvalier. Duvalier était besoin de été sort de quoi pour qu'a mettre yo dans ça les Makoutlan pour qu'a dominer yo dans Makoutlan pour pas qu'on lit parce que Duvalier pas aimé fonctionner avec monde qui connait aux alentours parce que il était gagné des idéologues du bon côté qui c'était Roger Lafontaine qui était gagné au série de nèg et au point ouais toute nèg majorité nèg qui était aux alentours monsieur c'est nèg on dans l'intellectuel qui était là pour te kembe système nan place mais tout reste masse peuple là li kembe on n'pas qu'on li pas qu'on écrit de quoi pour nèg yo ka entrer dans milicien pour nèg yo ka entrer dans macoute pour nèg yo ka entrer dans VSL de quoi pour yo ka tout pizi masse peuple là qui pas qu'on li les peuple là revendiqué maintenant problème qui vient poser qu'on y a gè un mouvement pour souffler en Amérique latine. Lorsque l'URSS est effondrée, une théologie va venir, on parle de théologie de la libération qui va commencer en Amérique latine. Amérique latine ça, c'est théologie de libération ça qui va faire théologie ça avec communiste, mouvement gauche ça va entrer en Haïti aux alentours des années 80. Mouvement ça commence à faire en Haïti l'église catholique et pas hiérarchie l'église catholique en l'air non parce que gros archevêque qui en l'air papa. C'est côté contre peuple là, il pas besoin de peuple là ouvrir non. C'est petit prêtre qui était en bas oui, petit prêtre et qui était en bas oui, frère. Qui pas fin d'accord et puis qui épouse idéologie de libération ça, l'idéologie libération ça pour capable faire ça relé ti l'église qu'embe peuple là pour apprendre peuple là pour verger peuple là bon travail de conscientisation qu'a fait contre hiérarchie et l'église catholique bon travail de conscientisation qu'a fait contre pays pour paysan qu'a ouverger yo qu'il y a bon mouvement de conscientisation qu'a fait syndicalisme a entré professeur l'école commence à organiser mouvement commence à prendre. Eh bien, en 1986, toute couche sociale ça qui était qu'on a tout pisine pour faire un mouvement généralisé et puis qui va le voyer normalement à coucher 1986, mais pas oublier. Une raison qui fait 1986 fait, c'est parce que les États-Unis étaient lâchés du Valier. Les États-Unis retirent col, les États-Unis commencent à prôner un discours de démocratisation de l'Amérique latine, ils changent de fusil d'épaule la politique étrangère américaine qu'on y a assez la politique américaine qu'on y a étrangère américaine pour Amérique latine non c'est ça y aurait les démocratisation bon s'attendez à la démocratisation mondiale enragée dans toute Amérique latine non discours ça y a vendu tout partout en Amérique latine non c'est démocratie qu'on y a américain dit on pas besoin de dictature même dans Amérique latine ni dans Caraïbes qu'on y a toute dictature commence à tomber. Depuis 1980, pour arriver jusqu'à la période 90, depuis cette dictature, te gen, tout tombé. Pinochet tombé, au Chili, tout net tombé, Batista tombé, tout net tombé net. Tout dictature tombé net dans l'Amérique latine. Mais pas un problème qui posait. La dictature tombé, Haïti lui-même a fait résistance. Haïti va faire résistance en 1986. Les gens qui ont finalé, le régime n'a finalé, qui s'appelle arrêté? L'armée d'Haïti. L'armée d'Haïti, pas oublier, c'est instrument bourgeoisie à l'armée d'Haïti, t'es toujours. Ah, puis, vous ne comprenez pas ça. L'armée d'Haïti, c'est instrument.
C'est la main d'Haïti m'a parlé nous, et pas là mais indigène que nous te prenons indépendance avec là. Non, la main d'Haïti m'a parlé nous, j'entends des les fad. C'est la main d'Haïti ça que Amérique était venu mettre en place. L'elle te fait occupation 1915-1934 là. Li te formé, ah oui, l'armée qui pour travailler dans l'intérêt là. Et l'armée ça c'est marre code long britli, tout gros généraux là mais tout état major là mais aller sortir dans académie militaire. C'est eux même qui prend famille là, yo marre code long britli avec yo, yo fait alliance avec bourgeoisie pour kembe peuple là dans fait noir, pour kembe peuple là tout pisini. Et bien l'armée d'Haïti ça mes frères, mes chers amis, c'est l'armée d'Haïti ça qui prend kembe pays ça. Ou pas gagner non fille, ou pas gagner avril. Yo pa former ça au CNJ, yo pa le coup d'état, ou pa le régime putschiste ça qui pa le mettre en place pour organiser élection, nous pa le premier tentative qui pa le faire pour élection faite. Et c'est dans couche, c'est dans piège ça petite là pa le prendre, oui comment le monsieur Leslie Maniga dans le même pouvoir, non fi pa pa fin ba un coup d'état, n'a fi pa kembe pouvoir et puis non fi pa l'organiser élection tête pété et puis qu'on y a là, yo pa occulter élément comment Gérard Goub qui était très populaire à l'époque. Mais yo pral prendre Gérard Goub, yo mette Gérard Goub à côté puis yo font ti élection tête pété et puis yo prend élément comme monsieur en 1988, yo prend Leslie Maniga, yo mette le président. Leslie Maniga fin penser fin river. Leslie Maniga fin penser pour river. Premier bagage monsieur fait après un petit temps. Monsieur range école bien bonjour, li mette nan fin en prison, nan résidence surveillée. Non fi, non monsieur fait un goyer, non fi pas ba mission deuxième au coup d'état tête chargé, on va l'exiler monsieur. Yo va le monsieur Saint-Domingue. Pour next pour coup ça. Et bien ça passe, non fi régime putschiste pas le prendre pouvoir encore en Haïti. Élection pas faite en 1991. Aristide dans FNCD, dans FNCD. Ça pas passer, les nèg regarder un mouvement sorti pour pas bailler dans pour nous. FNCD va mettre tête, yo va gagner. Et Gérard Pierre Charles à l'époque, tout monsieur ça va mettre tête ensemble. Yo va camper derrière, yo va faire front, yo camper derrière Aristide. Yo voyer Aristide avec quoi qualité. Bim! Aristide pour aller Aristide représenter dans l'élection. Effectivement, Aristide aller dans l'élection. Aristide passé parce que et bourgeoisie hein. Pas besoin Aristide parce que mouvement social là nèg pas veut perdre. Yo obligé choisir nèg que peuple la reme. Yo voyer Aristide à représenter peuple là. Pendant ce temps et bourgeoisie l'armée d'Haïti américain te gen nèg yo en face te gen bazin te gagné en pilote nèg qui était en face monsieur Aristide. Oh 1991 zan mim élection faite zimpété bim Aristide président. Aristide président. Le Aristide président en 1991 ah, discours commence à faire zimpété. Aristide commence à ouvrir le peuple là. Tout le monde content, la fête, tout le monde est fait. Mais pas oublier, si vous avez des cheveux si vous pas fini trop content, c'est à faire leur parler de bourgeoisie en Haïti. Il y a deux catégories de monde qui composent bourgeoisie dans la catégorie de M. Siro. Les Siro Libanais avec les Milates. Ils ne sont pas d'accord, ils ne sont pas rien, mais tout petit noir, des graines viennent émerger. Ils n'ont pas besoin de peuple là émerger encore. Mais yo a réfléchi comment yo pas finir à petit ça. Et quoi cause américain derrière yo doit réfléchir parce que coup ça va de fait. Ni la France, l'Occident pas d'accord, tout l'Occident, la France, les États-Unis, bourgeoisie haïtienne n'est pas d'accord, l'armée d'Haïti pas d'accord. Mais gon franche dans l'armée haïtienne non qui t'est vraiment accepté mouvement. Quand a réussi commencer à bailler petit discours li bien bozo. Petit discours oui nèg en haut, nèg en bas. Si discours de l'eau, de l'eau, dans le soleil, pas contre misère, wash dans l'eau, pas qu'à cause tête en bas, discours ça va bien, pas bien sonner dans les oreilles blancs, même. Discours ça va bien, problème. Pendant tout le, en pile le pays d'Amérique latine a acclamé victoire sa démocratie, a porté, pas oublié, c'est américain, oui, qui t'a parlé de démocratisation. Les démocraties a accouché Aristide, bon, n'est-ce pas d'accord. Démocratie a eu doute, démocratie a manqué contrôlé. Parce que démocratie a son erreur, il pas droit par Aristide, il pas droit par nèg masse là. Démocratie a droit contrôler parce que bagay si on quitte démocratie à Jean li là, zé a pété ti nèg dans tête grenade émerger, là bay problème. Oh oh. Nèg yo range kòy yo frèm. Nèg yo range kòy yo bien ki sa nèg yo fè? Nèg yo utilise bourgeoisie haïtienne non? Yo utilise et régime putschiste non? Même nèg Aristide te prend te mettre l'état-major d'elle qui se Cédras.
Yo utilisé monsieur, yo fait monsieur Baristi dans coup d'état. Mais yo n'a pas Aristide pas de comprendre. Monsieur pas de fin trop madré dans politique. Yo n'a pas monsieur pas de comprendre, monsieur pas de comprendre que tout roi état major l'armée d'Haïti c'était nèg qui travaille pour Amérique pour CIA et tout nèg ça au sous payroll. Monsieur pas de comprendre game là. Avait dit c'est intérêt américain parce que idéologie de gauche libération bagay tendance communiste gauche ça américain pas besoin pas merdel américain avec idéologie tête chat ça pas besoin bagay ça il pas bon pour il pas avantageux et bien sortant des ni bourgeoisie en tout qui gagne gros compagnie machine nèg pour contrôle sucrerie d'Haïti yo pour contrôle tout bagay ça yo oh nèg pas d'accord du tout ça nèg fait nèg ba monsieur coup d'état nèg yo ba coup monsieur coup d'état nèg yo mené monsieur aux États-Unis attention. Et en fait, la mission prend coup d'état ça, toute la communauté internationale indignée du fait que monsieur prend coup d'état ça en 1991. Tout le monde pas d'accord, c'est pété, le monde entier bouleversé. Monsieur paraît comme un héros dans le monde. L'Afrique enragée, monsieur paraît comme un martyr dans le monde. Monsieur était même égal, il était metté Aristide dans le même niveau avec Fidel Castro, dans le même niveau avec Nelson Mandela. C'était l'homme du moment. 1991, Aristide secoué le monde entier, Aristide secoué l'ONU. Continuons. Aristide secoué le monde entier, secoué l'ONU. Aristide a bail problème aux États-Unis. Diaspora haïtien aux États-Unis, secoué aux États-Unis. Yo kembe États-Unis busy. Yo kembe États-Unis busy pour être coussa à mes amis. Le monde tête en bas. Eh bien, n'est-ce pas un choix tellement le monde bouleversé. Tout le monde, résolution à prendre l'ONU, tout le monde dans l'âge. Yo pas d'accord, ça yo dit. Faut Aristide tourner, faut démocratie a triompher, faut peuple haïtien meilleur prendre souffle. Mais il y a un bagage qui est oublié. Et là, je vais venir. Pendant Aristide en exil, là, pendant 3 ans, ça, il y a un travail qui fait, il y a un travail blanc fait la carrière. Même Jean-Roy a fait travail ça là pour Tigui. Mais espérez Guy Philippe pas prendre un courrier ça là tout parce que depuis blanc metto non côté, il prend le brainwash. Là, on prend Aristide qui t'ont dit prêt. Qui était venu président, yo vin avec les États-Unis. Nèg yo commencé initier Aristide non série de environnement, en série de monde qui s'est croisé, en série de langage qui s'est commencé comprendre. Yo dit monsieur non, écoutez, bagay yo pas fait pour ça. Bagay discours nèg en haut, nèg en bas, discours bagay à gauche, à droite. Il a introduit monsieur dans le système capitaliste. Monsieur commence, yo commence à faire monsieur comprendre le goût du luxe. Monsieur commence à aimer le luxe. Comprendre l'importance de l'argent. Yo commence à faire monsieur comprendre ça l'argent qu'a fait. Mais, pendant qu'il a fait monsieur ça, pas plié. Blanc pas jao. Blanc pas le madre. Même je vois fait pour Nelson Mandela là, pendant la prison. Yo travaille monsieur pendant la prison. Oui, yo travaille monsieur. Yo travaille brun monsieur pendant la prison. L'homme là, monsieur sorti. Discours monsieur pas changé. Qu'on a l'air pour monsieur, travail, monsieur. Les monsieur bien préparé. Yo, monsieur vraiment commencer à comprendre sa capitaliste. C'est des bagages, et puis yo dit monsieur. Premier bagage, yo fait, yo ba monsieur un petit commet. Yo ba monsieur un petit milat, un petit forme clair. Un petit bagage, pour kembe bon côté. A fait, ti noir tête, grenoir, vin parler. Yo fait mes bouchons à ça. Yo ba monsieur un petit commet, un petit forme. Qu'on a peur. Un pile observateur a regardé, yo dit, mais. Et pas monsieur, t'es qu'on a défendu un petit nègre noir tête, grenoir. Pas monsieur, c'est un petit forme blanche. On ti femme bagay la le prend men. Les monsieur ap descend avec ti comme en Haïti, les men monsieur tourné. Tout moun campé ap gade. Tout moun nan jan saisi. On a dit mais on pas comprendre. Donc on c'est son ti femme noir monsieur pral prendre. Regardez yo met ton ti comme on ti gengen américaine. Pas rien dans ça. Avec yo pas dans ça. Li met ton ti américaine bon côté belle ti femme bien bagay. Bon, gène qui commence division commence péter. Gène qui dit oh Haïti trahi la race. Aristide trahit la race, mais son fond n'y prend. Vous comprenez ça de belle là? Même nèg bourgeoisie, yo, mulat yo pral utiliser Mildred contre Aristide pour dire oh, monsieur tapé de parler de mulat, de ceci, de cela, gardez qui fond n'y prend. Pour qui pèle? Matéli dit ça tout le temps, Matéli dit, pour qui pèle? L'or a proposé, y'aura y mulat comme ça, avec madame yo pour essayer mulat. Yo utilise discours ça contre monsieur. Parce que monsieur obligé prend, monsieur, ou imaginez qu'on nèg a levé contre système capitaliste là, l'impérialiste là, que États-Unis représentait, et puis monsieur prend femme monsieur prend son femme américaine encore, et monsieur qu'on y a, on femme là, yo fait monsieur route,
devant yo vin avec monsieur devant société haïtienne. Il y a des gens qui commencent à perdre confiance dans monsieur et nèg yo pa l'utiliser bagay ça dans pile média contre monsieur. Monsieur commence à perdre terrain. Malgré ça, il y a une frange dans population haïtienne qui croit dans monsieur toujours qui pas fin lagué par monsieur. Yo dit ah, monsieur a maîtrisé femme ça quand même. Même les monsieur les circonstances ont fait que monsieur prend femme ça qui c'est américaine et qui c'est anti Jean Mila. Même les trahi la race mais nèg gen nèg qui c'est idéologue yo croit dans idéologie a nèg yo rete avec monsieur quand même. Les monsieur retourné en 94, monsieur reprend pouvoir li après sa élection faite, yo passé comment on est là, yo passé préval li. Eh bien, préval prépare le terrain hein, pour monsieur, il t'a parlé de bail juste, patati patata. Mes amis, t'aimes une petite bagarre, mes chers amis. Toute époque ça, Boulos, Réginal Boulos, a travaillé contre peuple, pour peuple arriver avec démocratie. Faut qu'on ça bien. Toute époque ça. Et c'est ça qui a mis des petits problèmes ça. Parce que Aristide fait un travail extraordinaire. Pas oublié. Les Aristides allaient en exil. Mais problème qui gagne entre Réginal Boulos avec Aristide. Les Aristides en exil. Aristide fait yo. C'est Aristide qui fait yo mettre un embargo sous bourgeoisie haïtienne avec régime putschiste. C'est-à-dire pendant 3 ans, bourgeoisie haïtienne a perdu l'argent. Pendant 3 ans, régime putschiste, pas à rentrer, pas à jeune, on met de l'âge, pas à jeune, parce que pas oublier, bourgeoisie haïtienne, son bourgeoisie commerce, pas à investir dans le pays, dans la production nationale, c'est commerce toujours fait. Alors, là où vous mettez un embargo sur vous, pas à fonctionner, toute frontière barrée pour vous, pas à importer, vous lâchez Aristide, parce que vous avez un nom. Aristide fait mettre en bagarre, yo kembe bourgeoisie avec et régime nan kou. Eh bien les embarrés n'est pas ka joindre, yo pa gen l'argent pour yo kembe régime nan, yo pa gen l'argent pour yo soutenir régime nan, bourgeoisie a pa gen l'argent pour yo soutenir régime nan, yo pa gen l'argent pour yo importer, yo pa ka importer parce que gen embargo nan derrière yo, yo obligé di nèg yo al négocier des pas nous, yo voyer ces dras New York vin négocier des pas li patati patata. Toutes les époques ça yo classe bourgeoisie, monsieur Réginal Boulos. Réginal Boulos était bien rangé colon bas votre bourgeoisie ça. Maintenant le problème qui vient poser. Réginal Boulos toujours voulait faire mon comprendre l'idée gauche. Réginal Boulos pas de gauche. Comment on va faire de gauche? Ou pas de gauche? Ou sont capitalistes? Ou sont nèg qui extrêmement libéral? Comment on fait de gauche là? Qui de gauche? Comment on va faire de gauche? Ou pas de gauche? Idéologie gauche, c'est idéologie peuple. Comment faire de gauche ou pas de gauche? Ça veut dire, pour arriver pour prendre pouvoir, on va utiliser l'idéologie gauche, mais pas de gauche. Il faut Réginal, pas fou, tout le monde connaît Réginal Boulos encore. Pas soutenir Préval. Et monsieur, pas fait un bagage extraordinaire que Préval, pas manquer faire arrêter monsieur. Non seulement Préval, pas manquer faire arrêter monsieur. Les monsieur campé, la campé en face Préval, parce que monsieur a accepté, et comment vous l'élément, et dame ça, monsieur écrit une lettre, nous allons regarder sous page nous, hein? Nous allons regarder pour nous dans page nous, hein? Monsieur écrit une lettre, niveau et et département d'État américain, pour le dire, comme ça, pour le remercier, tout bagaille ça, c'est archivé, sous bagaille, pour le remercier Clinton, du fait que Clinton est venu visiter Haïti pour le faire parler avec Cédras, avec Préval pour monsieur. C'était bourgeoisie à te mettre ensemble pour faire influence sous Préval. Mais Préval, qui sont intelligents, pas oublier, là, c'est l'autre problème, quoi. Ça, c'est l'autre bagaille. Préval là, c'est ça que Préval toujours fait mandat. Préval tout son nez qui toujours a rodé, a joué game bourgeoisie. On l'a proposé à l'éthicole, mais on l'a tout li bat ni entré en bas avant de bourgeoisie. L'a joué de bourgeoisie. Mais, pas oublier, dans le mouvement 2004, les Aristide arrivé au pouvoir, les Préval vient faire élection en 1999, Aristide arrivé au pouvoir. Il y a un bagage qui va passer tout à fait extraordinaire. Aristide, pour le trouver dans une situation, côté le besoin de l'argent. Aristide pour commencer
Aristide pour commencer mandé en série de nèg qui pas jamais payer taxes en dedans pays hein. Il va faire pression sous DGI pour le faire nèg au payer taxes. Qu'on entend de Reginald Boulos monter dans télévision a dit a vinn porter papier 2017 à 2019 il paye taxes. Moi même problème ça me gagne avec journaliste en Haïti. Nèg a fini devant avec un papier taxes pour la contre. Il dit oh oui, me paye taxes dans telle période à telle période. Pour qui ça ou même en tant que journaliste ou pas dit mais pour qui raison ces période ça pour qui soit pas bail 10 années taxes ou même j'en grand pays ou fait grand pays qui ça ou dit yo dit faut bail pour au sérieux faut bail 10 ans ou te qu'on a payé taxes 10 années suivi comme on est qui régulier dans payer taxes ou c'est là ça pour au sérieux pour venir avec une période de 1980 2019 2017 pour arriver 2019 et pour apprendre mon histoire oh oui ou payer taxes non faut commencer depuis dans période de et Aristide dans période de 2001 pour montrer jusqu'à nos jours que ou payer taxes faut venir avec 10 ans de taxes t'a payé et là ça pour mon pas comprendre monsieur mais pour chita devant moi venir vendre mon petit bout de papier qui gon ti période 2017 à 2018 et 19 et pour venir dire mon ou payer taxes ou pour cette période là pour payer taxes ou cette année fiscale là pour payer taxes non faut venir avec 10 ans c'est pour régler la boulot venir avec 10 années pour prouver qu'ils sont bons citoyens vrai qui t'a payé taxes pour montrer comment dans 10 ans ça yo il t'a gain business il t'a payé l'état haïtien taxes bien régulier c'est ça pour monsieur fait. Parce qu'elle connaît Sylvine avec 10 ans, il a pas trop la donne parce qu'elle a pas payé taxes vraiment pendant 10 ans. Et c'est une raison tout qui fait Aristide pas être coup d'état 2004 là. C'est ça que nous c'est pas être coup d'état parce qu'Aristide pas dit n'est pas payer taxes. N'est pas payer taxes. N'est pas payer l'état taxes, il va payer taxes. Il prend la douane pour yo, il prend tout côté, il a pas les marchandises dans le pays, il a fait tout ça au besoin, n'est pas payer taxes. Les Aristide qui n'est pas dans gorge. Pour ne pas payer taxes, ne pas tirer pied, ne pas d'accord, ne pas péter coquin, ne pas réagir. S'attendez à la tout, ne pas organiser un mouvement. Dans le monde, monsieur, dans le monde, Aristide. Ne pas organiser un mouvement dans le monde. Ah, s'attendez à la tout, ne pas mettre sous pied un groupe, les partisans, 184. Mouvement, ça m'a enragé. Grenne dans le monde, ah, c'est pété, 184. Mais, pas oublier Aristide, après, non, bagaille. Pendant monsieur l'autre bois, monsieur apprend un bagaille. Le monsieur tourne, premier bagaille, monsieur va le faire, va le comprendre que monsieur intelligent, monsieur ouel pas qu'à changer le système, non. Puisque monsieur ouel pas qu'à changer le système, non. Premier bagaille, il fait pour mettre un système en face système, non. Monsieur pas mettre un système en face système traditionnel, là. Premier bagaille, monsieur fait, monsieur commence à mettre ça ou elle un système média en Haïti. Il vient avec les médias. Il voit qu'il doit prendre le contrôle de la communication. Puisque les médias traditionnels, c'est les médias bourgeoisie, oui. Ça, monsieur fait, monsieur vient avec ça y aurait les. Monsieur vient avec ça y aurait les. Radio Timoun. Monsieur crée un paquet de notre radio pour camper en face. Radio traditionnelle, machin micro bourgeoisie qui a fait travail bourgeoisie. Avait dit Aristide commence à comprendre l'importance des médias en dedans paysan dans chip dans façonner l'opinion publique. Deuxième bagage monsieur fait, monsieur remarqué université d'état d'Haïti, c'est instrument que bourgeoisie a utilisé dans mouvement étudiant pour voir le gouvernement aller. Il ouais étudiant qui sorti dans université d'état d'Haïti, c'est travail bourgeoisie a fait, yo vinn faire classe moyenne, c'est travail yo aliéné, c'est travail bourgeoisie a fait. Ça Aristide fait, Aristide dit, ah bon, et pour ça, bagaille là. Aristide vini, mettons université sous pied, l'université populaire qui commençait. Monsieur commence à faire alphabétisation pour l'encourager, pour l'ouverger le peuple là. Parce que faut obliger mettre un système en face système là. Parce que monsieur rend compte qu'il n'y a pas qu'à chambre de système là. Monsieur rend compte qu'il n'y a pas qu'à chambre de système là. Deuxième bagaille, troisième bagaille, monsieur va le faire. Quand plus le monde va le tirer pied. C'est là, monsieur crasé la main. Tout le monde va dire, ouais, monsieur crasé la main. Monsieur crasé la main, monsieur crasé la main. Mais Aristide vient comprendre que la main, c'est instrument lié dans les bourgeoisies avec les Américains. Les Aristide crasé la main. Monsieur comprend que quand il y a, au lieu de la main, il faut mettre une institution qui est lui-même, le chef, dans l'intérêt du peuple.
qui c'était la police, monsieur vini avec police intérim, mais j'ai un garçon qu'on y a dans masse peuple là avant d'entrer dans la police intérim, mais après il y aurait l'école, ça aurait été l'armée école militaire, bah ça qu'on y a tout jeune garçon entré, jeune garçon qui a opportunité pour entrer dans l'armée, nèg a pas étudier dans l'Amérique latine, a tourné, nèg a vinn faire tout ça, bah ça monsieur mettez un système en face nèg yo. Parce que affaire là mais tout pis non pas d'accord. Qu'on y a ça passé, là nèg yo ouais ça. Faites attention, non, mes chers amis. Faites attention. Mais là, monsieur démantelé l'armée. Un gros coup de cap qui fait. Un gros coup de cap qui fait. Parce que, là, il démantelé l'armée. Bourgeoisie a rien en moi. Classe moyenne a rien en moi. Toute l'élite intellectuelle a rien en moi. Parce que l'institution, ça, c'est l'institution bourgeoisie, l'institution droite, l'allié. Ça, c'est l'armée à son fonction régalienne, ni remplie. Mais, là, monsieur fait ça. Monsieur, bon travail, bon bagage qui démaille. Monsieur, je ne sais pas qui est-ce qui t'a conseillé, monsieur. Monsieur, bon bagay qui démaille. Ça démaille, monsieur. Monsieur, besoin qui t'a en place un système qui en face, système bourgeoisie qui en place là, qui t'a bal coup d'État. Il besoin, même s'il mourit, lui qui ton système, un contre-système. Côté peuple là qui entré. Et c'est ça qui a expliqué jour et jour, la police là. Puisque la police, non, monsieur, t'a créé. Pour instrumentaliser la police, nan, pour accompagner le peuple, protéger et servir dans les revendications. Nan yo. Mais les nègres de droite qui ont monté au pouvoir, ça n'est pas fait. Nan yo instrumentaliser la police nan, pour faire répression. Par exemple, Aristide connaît que les au pouvoir, les masses peuple a fait manifestation. Les peuples ont revendiqué les droits pour manifester dans la rue. La police doit accompagner le peuple. La police pas doit camper en face du peuple. C'est manifestation qu'a fait. La police doit accompagner le peuple sans que pour le peuple pas écraser, briser. Mais l'autre régime qui campe en face du peuple, côté son régime de droite qui monte, et ça m'a dit nous là, c'est ça qui fait, nous pouvons comprendre l'avènement de Matéli. Matéli, c'est régime de droite, sa bourgeoisie, ça parle dit pour finir avec la valasse là. Mais Préval, avant Préval mourir, son intelligent, monsieur. Préval font calcul. Il te reconnaissant quand même envers Aristide. Monsieur dit, bon, j'ai pas là, il y a là. Faut manger comme pour Aristide Vini. Vous comprenez? Faut manger comme pour Aristide Vini. Mais pour monsieur faire Aristide Vini, il est obligé de faire Duvalier Vini quand même. Parce que si monsieur fait Aristide Vini, il n'y a pas fait Aristide, il n'y a pas fait Duvalier Vini, pays a crasé non même, pays a bloqué. Eh bien, monsieur, pas de problème, il invite tout le monde, il fait Negio Vini, il fait Aristide Vini, il fait Duvalier Vini. Tous les deux Negio entrent dans le pays. Quand il y a un mouvement Lavalas là qui est écarté, parti Lavalas là qui est écarté dans l'élection, qui n'est pas dual dans l'élection, quand il y a un préval fait unité, pas besoin d'entrer dans toute histoire, ça va venir nous connaître. Quand il y a là, il y a les grandes tendances, et puis sortant de là tout, mouvement Laval a sa reprend pied, qu'on y a tege tege division dedans, Maurice Jean Charles, tout groupe secteur ça a représenté force secteur là, et puis nèg yo mené en campagne, puisque monsieur te prend coup d'état, yo tege ta préparé terrain pour mener en campagne, pour craser, pour faire peuple là, raillir, commencer raillir à Aristide. Bon, il est vrai, yon nan problème mwen gen avec Aristide. Avant, ouais, Michel Maté devine président, Aristide gon ti problème, Aristide pas préparé la relève. Aristide pas préparé la relève dans le sens que monsieur pas mette en place une jeune garçon pour ta diquette. Après monsieur, qui est-ce si Aristide t'a tombé le mouri là? Qui est-ce qui digne pour remplacer monsieur que le peuple a fait confiance? C'est ce problème ça qui est actuellement là. Pas de nèg qui a incarné Aristide, qui a remplacé monsieur, qui a épousé l'idéologie et qui pour remplacer. Moi, Jean-Charles, c'est vrai à bas pour l'émerger. Vraiment, Maurice Jean-Charles maîtrise un paquet de sujets, un paquet de sujets en dedans, un paquet de dossiers en dedans pays. Mais peuple haïtien, si classe moyenne tellement aliéné mentalement, de vous pas parler français, vous comprenez? Si peuple haïtien, depuis c'est Tinois, vous ne pouvez pas parler français, vous ne pouvez pas respecter, vous n'avez pas bonne importance. De vous parler aux gens, Tinois, tête grenée, vous comprenez? Qui est aliéné, qui passe dans l'université d'État, qui fait. Parce que comme violence bourgeoisie a fait dans la tête de monsieur Sayou. Dans ta petite classe maintenant, c'est violence qui faut, c'est violence esclave mentale net, oui. C'est classe maintenant, c'est le plus dangereux qui fait pas qu'il y ait changement dans la société haïtienne. Classe maintenant, ça y a toujours pensé que c'est bourgeois, oui. Lorsque nous avons une tête graine qui compte deux mots français, et qui se tue bourgeoisie, ça, c'est le plus dangereux parce que c'est bourgeois lui-même. Tel
connaît ça méchant, tellement dangereux. Parce que quand on va défendre ses intérêts là dans mes bourgeoisies, ça n'est pas pour le fond, pour le tuer, pas en pas pour défendre ses intérêts. Tintinet doit être grand, petite classe moyenne. Depuis qu'elle a tiré 4 là en bas d'elle là, où elle a eu le ballon tiré 4, lui qui a entré dans le entré en dedans ça là, où elle paraît dans l'autre bois là, et pour elle entrer, elle est entrée, elle prend l'argent, elle est entrée libre avec petit chèque, elle est entrée pour une machine là, papa. Dis pas, mais je connais si masse peuple a mouru grand goût, si masse peuple a pas contre lui, non? C'est bête qui pis égoïste qui te kagé, hein? Sortant de les classes moyennes. C'est bête qui pis égoïste qui te kagé, hein? Depuis où elle a mangé, l'oublié quand elle sorti, si c'est non peuple qui sorti, oui? Depuis où la classe moyenne commence à sous son zo petit? Pas mal un système, non? Classe moyenne, ça, c'est yon jouen dans les médias. Professionnel média, c'est aux jeunes de l'IMAC qui travaille, c'est aux jeunes comme professeur qui travaille, qui enseigne, c'est aux jeunes. Eh, pas manier classe, pas manier système non. Yo mettre tout frère c'est mourir en dedans société. Non, depuis au petit raf quand en bas derrière yo, y a travaille dans petit banque là comme petit clerc ou bien au petit niveau, yo bon petit sans goud y a toucher ou bien au petit caillou ou bien au petit bout de terre acheter pour fond deux trois pièces caille. Grand monde yo bon petit bout de visa en bas derrière yo. Yo autant de yo pon petit yo vin faire États-Unis, les enceintes, yo vin faire petit yo aux États-Unis, faire petit petit la petit américain. Grand monde pas manyen système nan. Depuis ou manyen système nan. Ou son nèg qui dit bon pa gen l'hôpital ou pa ka jwenn soin, ou a plein, ou a manifester dans la rue. Bon, premier monde ka pran roche pou lapido, pou commencer finir avant traite de moun sale, traite de mal pou honte, traite de kokora, traite de chimè, traite de moun ki pa rien, de moun ki pa civilisé. Ou ayo campé yo de regarder ta yo, gade yo. C'est classe moyenne non? M'a payé l'argent avant. Ou m'a dit on bagay la. Ou le peuple sa manifester, ou pa fouti wè yon milat. Ou pa fouti wè yon si au Libanais. Pour monter sur Facebook et puis pour l'app dire comme ça garder taio ou pas fouti ouais on si au Libanais ou pas fouti ouais on mis là monter sur Facebook pour l'app dire garder taio garder ta cocorate yo garder gens yo sale garder mal propre garder qui dans figu yo garder yo non mis là pas faire non si au Libanais pas fouti monter sur Facebook ni tweet pour dire un bagage comme ça. Qui est-ce qui va faire bagage ça? Ah, tes hommes, c'est une classe moyenne, une classe moyenne aliénée, une noire tête grise, c'est lui pour monter sur Facebook. Parce que les bourgeois n'ont pas besoin de faire job ça. Ça, c'est job classe moyenne, parce qu'elle est crasée, maille classe moyenne pour faire ça. Parce que c'est classe moyenne qui le mettait en face. Où? En face, peuple, c'est pas bourgeoisie, non, bien directement. C'est classe moyenne, on le mettait en face, bourgeoisie. L'autre de dire crasée machine, là, rien. Là, on dit qu'il a crasé les peuples, a manifesté, a crasé les machines dans la rue. Pourquoi c'est crasé les machines? Pourquoi c'est crasé les machines? Pourquoi c'est crasé les machines? Pourquoi c'est fermé, j'ai senti dans le Cali, vite filmé, bien barré. C'est une machine malheureuse, sortant des classes moyennes qui garé dans la rue, pas de parking dans la Cali. Les peuples passent dans le col, ils sont tellement à l'aise. Les peuples courent avec ces machines. Oh, mes amis, je vais vous dire pardon. Ils sont à l'aise. Ils sont à l'aise. Ils sont à l'aise. Là où elle était consultant de oui, débloquer pays pour petit mal à l'école. Tant de oui, classe moyenne, oui. Débloquer pays pour petit mal à l'école. Faut petit mal à l'école. Ne pas me demander qui éducation y a bail petit lien. Est-ce qu'il pour questionner contenu, curriculum, éducation y a bail petit lien. Est-ce qu'il est de bonne qualité? Est-ce que c'est pour Haïti à préparer citoyens ça yo? Ou bien c'est à l'étranger? Ou bien pour étranger? Non, je ne suis pas d'accord. Où est classe moyenne, non? Debout, yo été là, yo, des manifestations là, autant de yo été là des chaises, yo beau, yo chita yam gade, oh gade moun salsa ou bloqué là, ya gade, parce que, oh faut petit mal à l'école. Pour qui raison, yo gon 10 gout, on 10 000, on 10 gout, on 10 gout, non mais yo, petit yo ka à l'école, yo pas care pour petit masse là, yo pas care pour cité, pour ne qui rete, ti noua tête grenne par il y a qui nan cité soleil, yo pas quoi ti noua pour ti noua qui nan grand ravine, yo pas quel petit noir non bagay yo k'ap mande a k'ap mande nan la yo pa besoin bagay depuis petit yo à l'école depuis petit pa yo à l'école dès non give them yo pa ke si petit pour à l'école si petit pour manger si petit pour ka bagay depuis petit yo habillé à l'école yo pa ke si reste là pa konn li yo pa ke si reste là pa illettré yo pa ke parce que c'est bête qui pi égoïste qui te gagne bête tout de yore les classes moyennes c'est ça que le système capitaliste a utilisé le même pour contrecarrer revendication peuple en dedans société. Ou pas ça yo picho sous bande non Facebook,
C'est un pichot pour monter devant, bon, pour que les gens sales, les peuples à manifester. C'est un pichot devant. L'autre dit comme ça. L'autre dit comme ça. Mais, il y a une insécurité matissant. Attendez, une insécurité matissant. Gang matissant, m'a enragé. Quand tout le monde dit, mais ça va passer comme ça. Classement, il y a un comme ça. Oh, le bar est gangster, le bar est gangster, c'est vrai. Non, l'état sérieux. Pas de supposer des gangs comme ça, non? Non, l'État qui a fait travail livré. Pas de supposer que bon, l'État qui a des gangs comme ça. Il n'y a pas de poser tête. Le classement n'a pas dit, mais phénomène gang ça. Pour qui raison? Pour qui raison phénomène gang ça? C'est dans le quartier défavorisé où il toujours absorbé. Pour qui raison c'est dans le quartier défavorisé, côté moun pas qu'à manger, pas qu'à boire. Pour que la vie a difficile, moun condition pauvre. Pour que raison c'est moun ça ou toujours des zame nan men yo. Pour que ça ou toujours fusiller moun. Pour que ça ou toujours. Pour que raison c'est yo même qui toujours fait action ça yo. Pour que raison c'est dans société, dans zone ça yo même qui nèg yo a recruter politicien yo a recruter bourgeois a recruter pour yo ba yo zame au lieu ba yo travail, au lieu yo mettre yo l'école, au lieu yo faire yo permettre yo gain accès à éducation. Pour que raison c'est yo toujours bourgeois ni classe politique à utiliser pour créer la poublaille dans le pays. Il n'y a pas posé, il n'y a pas réfléchi comme ça, non? Il n'y a pas réfléchi comme ça, non? Quand il n'y a pas réfléchi comme ça, non? Non? Pas mal réfléchi comme ça. Il n'y a pas besoin qu'on racine problème, non? C'est cet homme qui m'a dépouli. Racine problème, non? Pas m'a dépouli. C'est cet homme, non? Il vient de commencer le gangster, il est le délinquant. Mais il n'y a pas l'oublié que pauvreté. En matière de criminalité, pour les criminologues, les cap étudier qui fait ça aux sciences criminelles, la criminologie. En matière de crime, il y a un bagage qui est important pour qu'on ait, pour tout le monde toujours qu'on ait. Crime toujours donné côté de la pauvreté. Ou pas associé. Côté de niche crime, côté de moun vulnérable condition, moun pas social, moun pas bon, moun pas à manger, ou toujours ouais, moun sa yo, difficile. C'est rarement yo. Cap de courage moral, les ou pas ka manger, ou pas ka boire, les ou petit, ou pas ka manger, ou pas ka voir petit ou l'école. C'est rarement un hypocrite qui a un courage moral, qui doit dire, monsieur, je ne vais pas le voler, pas de travail. Mais oublier si c'est bourgeoisie haïtienne qui choisit créer ghetto, qui choisit créer bidonville là, qui choisit créer sa ouais cité soleil là, qui choisit créer sa ouais pour qui raison? Parce que c'est résultat d'un choix économique. Les nègres là dans bourgeoisie a choisi importer marchandises au lieu que le produit marchandise l'investit dans l'économie nationale là pour ta créer travail. Dans l'économie importation, qui sont vos immunoal fait l'ont importé. L'on prend en dedans pays ça pour faire ça et pour prendre l'argent américain pour foncer des bagages avec pour vendre ni dans commerce dans l'arrière. Qui sont pensé à créer les gens n'ont pas de travail, les gens chômage en dedans société, les taux de chômage la touché presque 20% on dans dedans société qui dans l'âge pour travailler. Les bourgeois n'ont pas investi, son choix économique ou fait même pour kimbe peuple dans pauvreté pour voir yo faire gangster pour voir de quoi les nèg la pas ka wè mot petit pour baï manger, les nèg la wè petit pas ka l'école, les nèg la pas la vivre vulnérable, les nèg la vulnérable dans ghetto a li pas fait partie de classe moyenne parce qu'il pas connait lire, pas connait écrit. On a ou deal ou bal wa bal 1000 goud li vin tourner un bandit professionnel ou bal 1000 goud ou bal l'argent qu'on a nèg la pa li pa ka li pa gen choix fouton zam nan men et pour bal al fè crime al semer la terre et puis soit tande a la nèg la descend li montre nan marché yo commence à toucher nan marché yo nan mon zam ni nan men la touché. Mais écoutez bien, qui est ce qui est là qui fait violence encore? Là pas fait violence dans sous classe moyenne. Il pas faire violence sous bourgeoisie, bonne classe moyenne tête pétée, bonne monde sort. Ou pas oublier pas rendre compte là ouais. Bourgeoisie a pas investi dans l'économie. Qui est ce qui pense pas payer ou casser ya? Les gangsters ça ont commencé prendre armes. C'est ou même classe moyenne n'a pas payer ou casser ya. Oui. C'est machine ou qui va écraser, oui. C'est ou même yo pas fusiller, oui. Pour qui raison? Vous pensez bourgeoisie avec ça on va tirer bourgeois. Combien de bourgeois ont été assassinés comme ça? Ou fou? Ou pas ces petits gangsters qui ont été fusillés, politiciens? Combien de politiciens ont été fusillés déjà? Ou fou?
On va dire ou même dans classement, dans ti malheureux qui a payé fort, qui pas veut prendre la ria pour revendiquer, pour système de changer, pour mander bourgeoisie salope ça, bourgeoisie salope ça, suspendre, importer dire, importer poids, importer blé, importer suspendre, craser production nationale là pour investir dans non, pays, pour créer travail, pour permettre à ce que ti jeune ça yo cap lever des mains, pour yo capable de moyen, pour yo pas vulnérable, pour yo capable de moyen pour aller à l'école, pour yo jeune un job, pour yo capable de vivre quelque chose des mains. Pour yon pas gen zam nan men yo, pour yon pas vin vinera, pour vagabond, pour la bourgeoisie, ni nek sa ou vin la gen zam nan men yo pour yon tire moun. Ah, ou pense ou même nan, ou pense ou même nan classement nan, c'est ou ki pi bon, depuis gen manifestation man dans l'âge, ou pense c'est ou pense ou safe, ou pas safe chiri. Classement ou pas ka safe, parce qu'on pas comprendre, j'en système nan fonctionne. Nek ki nan l'état, sénateur député, bourgeoisie mettre mal le code l'ombriton ensemble pour yo soucier ensemble sous deux classes moyennes avec peuple là apprendre comme ça les classes moyennes proposent des différents des peuples là ou n'en courir ou pas différent des peuples là si vous une classe moyenne qui intelligent c'est mal le code l'ombriton avec peuple là pour revendiquer pour peuple là pour faire bourgeoisie à saisir avec l'état pour faire pression sur l'état avec bourgeoisie pour investir dans l'économie pays là. Pour suspendre jeu jouet blanc, pour suspendre jeu jouet occident, pour suspendre fait travail ça, importer marchandises, pour venir avec un modèle économique dans le pays, côté que tout le monde a une opportunité pour travailler. C'est ça pour faire, oui. Mais si ce n'est pas ça qu'on fait, mon cher, si ce n'est pas ça qu'on fait dans la classe moyenne, ça, on a toujours dit, oui, il y a un nègre sale, et puis il y a un marché bandit, il y a un marché sous gros âme, ou même qu'a fait macaque et caïboulos. Kay Boulos, Kay Brant, Kay Madsen, Kay Renault Deep, gros mirail yo monte men hote, yo gen sécurité ka protéger yo, yo konnen depuis choix économique yo fait, yo obligé marcher dans machine blindée, yo sécurisé tête yo et puis sénateur député yo même yo range ko yo là, yo gen gros sécurité vite blindée, yo dans l'état, gouvernement dans l'état yo protéger tête yo et puis ou même petit classement nan rase valé kaka. Les gen manifestation di regardez voir, regardez cocorate, regardez ceci. Wap dim ki est yo pral tire. Les gangsters sa yo wap humilié yo nan l'aria. Wap dim les zam nan. Nèg ki ba osa pou jam tande classe. Ou jam tande nan société sa. Nèg nan bidon ville kon fè zam. Nèg site soleil de ki kote yo ta la pran fè zam. Nèg gran ravine ki kote yo ta la pran fè zam. Hein? Nèg ndan de yo matisse ka bloqué natisse ka tire cartouche en haut en bas face à la police ki kote yo ta la pran. Yo tal étudier marmenship. Yo ta yo tidye mamen chip, kote yo ala pran zam, kote yo jen zam, kote yo jen lazan pou akte go zam za yo. Kote yo jen gazan pou yo gen M16 nan men yo, pou gen AK-47 nan men yo, pou gen go rafoul, pou yo gen galil nan men yo, pou yo gen kalashnikov nan men yo, epi yo gen munisyon nan bunda yo. Kote yo jwen ni, pou yo pleye pou la jen nan geto yo rete, kote yo jwen ni. Ki kote yo jwen ni? Kone ya wèm nan klasman en, ou sa tout ou a lez, ou sa tout ou a lez, ou raille nèg ça ou non c'est yo victime de système nan même avant et parce c'est ça yo les bourgeoisie a quitté nèg ça yo con ça même oui nan ghetto yo quitté bidonville nan même pour bidonville là yo besoin recruter mafia là yo besoin recruter gangster là yo besoin recruter moun ki pou al faire sale de bouyo là yo besoin recruter jeune garçon ki pou al tirer moun pour faire crime bouyo imbécile là oui y a recruter parce que yo connaît si nèg là gen un bon travail nan même en classe moyenne. Si nèg la konn li konn ekri, si ti nèg noa konn li konn ekri, li konn li gen bon travay nan men. Fréquent pour vin ofril 1000 goud avec un zam pou la fusiller moun pou. Mais yo font façon pour mettre en position ni l'état, classe politique nan, ni bourgeoisie, yo font rassemble yo marre code l'ombrit yo sous deux classe moyenne nan. Yo konnen classe moyenne nan. C'est li ki pi dangereux ki t'a voyé, ki t'a voyé système nan ale. Sans quoi vous faites classe moyenne, vous aliénez classe moyenne. Vous avez classe moyenne, vous avez éducation mentale dans le brain qui vous fait penser dans le bagage pour le comprendre, pour le séparer du peuple. Les classes moyennes, si vous avez tête grenne dans le croisé, vous avez une classe moyenne, vous avez une classe populaire, vous avez dit non, moi-même, je ne suis pas de cité Cité Soleil, je ne suis pas de Cité Soleil, je ne suis pas de Matissan, au contraire, moi-même, c'est Pétionville, moi, j'étais. Mais ça l'a dit dans l'imbécilité, dans l'ignorance. Li. Li pa konnen si c'est discours bourgeois la transmettre pendant le pauvre, non?
n'est pas comprendre si c'est un lavage cerveau que bourgeoisie a utilisé à travers l'éducation, ça aurait les frères de l'instruction chrétienne qui prend contrôle contenu qui ça pour entrer dans brain nous pour laver cerveau. Ou pas depuis nèg la fin faire certificat, depuis fin faire retour philo, qu'on y a gon folie parler français qui prend automatiquement ou elle des folie parler français ça. Et pourtant de là l'université l'état autant de ce qui ce a là c'est dans ce si c'est là et vous sortant de à la tout depuis rivé dans banque ou pas qu'on rivé dans banque et pourtant des ti esclave mental classe moyenne commencer à parler français avant ou pas qu'on doit rivé dans appareil l'état et pourtant des ti ça cap bonne quatre balles ti banque là ça devant oui à parler français. Oh monsieur, que puis-je faire pour vous? Oh monsieur, comment puis-je vous aider? Oh monsieur, imbécile là pas comprendre que 80% peuple là pas qu'on lit, pas qu'on écrit. Mais les parents n'y comptent que ce travail bourgeoisie a fait pour le passer sous petit frère là, pas comprendre le langage là, le français en Haïti, c'est 10% monde qui parle français. Là, l'utilise petit français domestique au Mali, c'est contre trois frères l'utiliser. Non, les parents dit oui, tu sais, son barrière li mettait pour yo. Est-ce que vous comprenez qu'on y a là parce que qu'on y a le conseil de faire français à tout nos luxe et puis classement elle qu'on y a pour le sentir dans le monde il est obligé de parler français c'est comme ça pour faire différence pour le différencier avec les ghetto pour le différencier avec les et gravina pour le différencier avec les cité soleil là pour le différencier avec les matissants et pour commencer d'où je suis tu sais vous savez mon fils cela menti oui depuis ton tête pété à pas comprendre chier. Tête pété à pas même comprendre, non, merde. Regardez, quoi me souvenez, on petit bagaille secrétariat, non, mais oui, on petit bagaille 3-6 mois secrétariat, yon bali kay crâne, et puis s'entendez à la tout, yon pété tête, yon pété, yon mette 2-3 avant dans tête, et puis pense qu'il parle français, li fina rage, li fina royo, li le chandelier blanc. Bourgeoisie pas dans tête, non, yon pété bunda tête, li avec 2-3 bagaille secrétariat, li fait 2-3 dactylographie, et puis. Quand fin fouille dans brenni et puis s'attendait à là yo voye là le travail comme secrétaire et puis yo jeune petit job nan classe bourgeois et puis s'attendait à là l'Amberman Motors là les nan Nissan là les ceci et puis y a pas les français en dedans oh oui tu sais où tu as mis ceci où tu as mis cela et puis les rive la caillou majorité nan yo les rive la caillou yo pas retendre non. Les rives là quand même manger ou pas qu'à manger comme là pour qu'on rive il pas compte comme là pas compte yo n'a prend coup de poing yo n'a prend chèque yo n'a tout causé c'est étranger qui a diaspora qui a soutenir mais wa zizi po wa limé na po wa calé corps yo penser aux affaires tu sais là tu causes on dans la tête pété yo pas même capable français à bien quand je bon français devant yo fermer jolio yo pas parler du tout et puis yo pas comprendre si c'est esclave mental yo. Yo pas comprendre si c'est bourgeoisie qui construit un système comme ça pour yo pour kembe yo dans aliénation pour kembe yo esclave. Et c'est ça que t'explique jodi à comportement. C'est ça que t'explique comportement trio a, oui, trois petits journalistes yo face avec Boulos. Bon moi même yo ta bon l'argent pour mettre mon face Boulos monsieur. Ti bourgeoisie, souwait ti monsieur comme ti visa yo gagne pour diable. Souwait guerrier, souwait et comment j'en ai ça laisser l'autre monde qui devant yo ouvert ko yo. Jean Bob se ka ouvri kol monsieur. Je n'ai sa ou le ou pren l'autre moun. Yo ouvri ke ou. Bob se, gade. Map gade regard. Map gade regard Boulos kap gade neg yo. Boulos teka neg yo. Bob teka. Map gade neg yo. Teka. Il pon neg yo. Neg yo pou kon même kap ale gade gen delan yo ki bebe. Même bouche yo baga ouvre. De sa ou bebe. Ou konten de bebe. Bebe. On est au seul là qu'a frontière fort l'amour ouais li anti Jean Gene il pas qu'a poser question yo trop bien li pas qu'a frapper table là fort Jean j'en connais bon c'est qu'on frapper table fort mais Boulos devant bon c'est pas qu'a lever droite ni en pas même table là qu'a frapper oui Boulos bon ou connais mon frère ou connais oh bon je vais la ma en école gentiment tête green frère quand sorti non pareil ouais classement là ouais dans qui caca classement là pas. Mais classe moi on a qui est talent devant bourgeoisie milate là qui a coupé chèque là qui a signé chèque là on a qui est système capitaliste en mettez ti classe moi tête à tête devant mais là on entend des niveaux là oh parlez dans vous-même madame go face vous comportez oh madame on comprend face nous là et vous même ça veut dire oh j'en comprends et comme ça vous parlez avec tinois pareil yo et comme ça vous parlez avec tinois pareil yo mais les boulots devant yo
Les André Appet Junior devant yo, les Renal Dib devant yo. Ouais, yo ploye tout ke yo entre en babunda, yo, tout journaliste, tout la, yo pa ka pose une bonne question, yo paye. Parce que nek sa yo baba, yo just ka passe un coup de fil la frem. Et puis j'entends de yo coupe visa, nek sa yo. Ambassade la coupe visa, autant de Bob c'est pas capable encore, Bob c'est pas un visa, yo cancel visa, autant de guerriers, écoutez quand si frère qu'on fait avec Reginald Boulos, ou pas capable encore, non, frère. Parce que nek sa yo bien gros contact, yo ka coupe visa, ou. Classement, yo ka coupe visa, ou. C'est notre situation, ça, oui. Mais yo Québec, classement, dans l'esclavage. M'gonne yo pas prêt même. Mon cher, m'gonne yo pas prêt même, ça va déranger. Mais m'a dit vérité pour yo. Alors, l'homme ou moulin, lorsqu'on s'adévon, on ne vous connaît qui gon poids dans la politique pays. On ne vous connaît, je ne vous dis, qui accompagne Michel Martelly pour faire le président. Qui accompagne Jovenel qui bat nous, Jovenel Moïse, je ne vous dis, là. Qu'on y a où était comme ça, où est monsieur Vindevon, et puis vin propose Saint, vin lave visage, li vin lave image. Qu'on y a nous bagne la plateforme pour vin lave image. Li. Ah, monsieur, qu'on y a le monsieur Vini, qu'on y a nous tout ploye que nous ne pas poser la bonne question. Hein? Nous ne pas poser de bonne question. Nous ne pas manger mon boulos. Hein? Qu'on a un boulot sur le dos, oui, boulot, c'est la tête. Qu'on a nous pas qu'à manger, mon monsieur. Nous pas qu'à poser de bonnes questions. J'en ai au gant. J'en ai fréquent. Qu'on a nous obligé de faire un petit connu parce que boulot, c'est réseau. Boulot fait partie d'un réseau. Parce que de pour parler mal avec yon, c'est avec toute gang bourgeoisie. On parle, s'entend à là, n'est-ce que côté là où t'es que doit faire un coup de fil et puis yon fait un fire, yon fait un révoque dans un petit job ou yon, c'est n'est-ce que connecté sur réseau, ma fia. Son réseau gangster qui l'a. Maman, c'est ça que fait. Il a fait ouais, journaliste, yo, bon, c'est prudent, n'est-ce que prudent, yo, pas qu'à poser gros questions. Parce que son réseau, ouais, n'est-ce que prend contrôle l'économie, là. Son réseau qui l'a. Oh, comment fia. Qui l'a. Et puis là, on range quoi, là, on range quoi. Et yo, décide qui est-ce qui est parti, qui est-ce qui n'est pas parti, qui est-ce qui pourrait déposer visa, elle fait demande visa, qui est-ce qui pourrait joindre. Yo, il y a tout contrôle, tout bagaille net, en dedans pays. Et puis s'entendez à la tout net frais. Tout le monde frais. Oh, monsieur bien passé. Oui. Oh, net après le haut, boulos. Good, boulos, je parle. Non. C'est pour boulos, je n'en face li. Net qui bien, qui vient avec des documents solides. Net qui formé, qui éduqué. Net qui pourra faire des recherches sur individuels. Qui pour qu'on ait bien passé, monsieur. Net qui vient devant, monsieur, on va pas le poser. Ou bon, net qui devant, qui c'est boulos. On candidat potentiel pour 2022. Et pour juste qui t'apprends, c'est avec eux. Net la campé dans la fille du monde. A vint dit, oh, yo dit. Non, mon cher, ou pas qu'un journaliste. Hein? Côté journaliste investigation, on doit investiguer pour venir avec des données, pour venir avec des faits, pour coincer monsieur. Faut un travail de recherche pour collecter des données, pour venir avec des bagages. Ouais, boulos, de vous parler devant boulos, pour radoter dans figuille, et puis parler de non, j'ai papier à bas, ou il dit, mais ouais, moi-même, moi paye taxe. Et vous te gardez, n'est-ce pas tellement pas qu'à lire, y'a pas apprendre monsieur, y'a pas apprendre journaliste pour le garder période fiscale, monsieur paye. Hein? Pour parler, si vous gardez période fiscale, monsieur, t'es payé taxe là. N'est-ce pas payé au loge au papier barou? Faut garder période fiscale là. Faut garder le montant que monsieur t'es payé. Faut garder par rapport avec chiffre d'affaires, monsieur, combien il t'es payé. Qu'on y a, faut garder, qu'on y a en proportionnalité pour dire, oh, eh bien, ça c'est période fiscale et 2017-2018. Côté période, côté 10 années avant yo, boulos, côté nous pas de papier 10 années avant yo, ba nous, est-ce qu'on a fait nous pour tout public la carré, est-ce qu'on a quitté qu'on paye taxes régulièrement au cours des 10 dernières années? C'est comme ça pour yo prendre boulos au crédit? C'est pour moi de boulos tout, est-ce que boulos pas de compagnie, c'est domaine? Est-ce que boulos pas investi dans l'économie, c'est domaine? Non, faut moi de boulos ça tout, oui. Comment de boulos, combien l'argent y investi? Est-ce qu'elle pas une industrie qui travaille dans ces domaines? C'est ça, vous. Faut poser la question pour qu'on ait bien, pour entrer dans le système. D'abord, n'est-ce pas un bon chiffre d'affaires ou combien comme. Non, faut d'abord donner financier, faut des papiers financiers dans le monde pour qu'on ait exactement, pour faire analyse financière, pour comprendre comment monsieur fait. N'est-ce pas un bon chiffre d'affaires ou prêter l'argent dans le monde?
au nation partnership lié, il y aurait les sabbats participatifs. Quand il y a un nègre comme ça, mais combien de copes il prête dans ONA? Même si vous dites nègre, mais pour prêter l'argent dans ONA, et puis c'est machine ou acheter avec, c'est importe ou aller, pour aller importer, pour aller acheter machine à l'étranger. Ça veut dire, mais questions supposées poser, ou t'es supposé, on est quand on a posé, monsieur. Mais bon, pour entrer dans ONA, ou aller prêter l'argent, ou aller faire ONA associé à vous. Qu'on y a l'air on a associé à vous. Pour qui raison? Pour qu'elle importe machine. Pour importer machine. Pour qu'ils ne soient pas l'argent on a ça. Pour aller investir dans la production nationale. Pour qu'ils ne soient pas prendre l'argent on a ça. Pour investir dans du riz. Pour investir dans le poids pays. Pour investir dans le bagage. Non, pour qui raison pas investir dans du riz dans le poids. Mais pour qui raison pas prendre l'argent pays. Pour aller investir dans du riz dans la production nationale. Parce qu'elle ne voulait pas entrer dans la concurrence. Avec les États-Unis d'Amérique. Il n'a pas voulu entrer dans la concurrence avec Saint-Domingue. Non, il n'a pas fait ça. Il plutôt prend l'argent qu'on a pour l'acheter machine. Haïti fait machine. Haïti fait Nissan. Haïti produit machine. Nous avons ça dans le pays. Nous. Pour nous faire un choix économique. Pour dire que des pays. Pour dire que des pays. Pour choix économique ou faire, ou elle prête l'argent dans Meona, et puis l'argent ça en prend, c'est pour importer machine. Comment, et pour d'où sont les qui remet pays? Hein? C'est pour d'où sont les qui remet pays? Mais on pas prend risque pour aller investir dans la production nationale. Non, on pas la donne. Bagay ça, on pas la donne même. À faire production nationale, pas de débat ça. C'est commerce. C'est importer pour craser droite et douane, pour craser droite et douane. Bon, deuxième bagaille qui tue, je ne peux pas comprendre. Je m'attends de monsieur. Maintenant, dans le journaliste est pété, monsieur. Pour monsieur Campé, pour lui dire comme ça que, lui prêter l'État, attendez, lui prêter l'État l'argent, 50 millions de dollars pour l'État, by machine, pour yo faire caravane. Pour l'acheter machine, by l'État, pour faire caravane. Monsieur, est-ce que nous sommes dans le pays? Pour matériel, l'État doit payer, monsieur, 20 millions de dollars toujours pour la payer. Mais monsieur, nous méchants, comme si pour choisir, font un choix économique pour dire qu'il y a un pays. Pour le premier bagage qui est dans le maille, qu'on a tout pour nous comprendre pour qui raison ou tu as poussé Jovenel. Comme si pour un bagage, pour monsieur Bob, c'est. Pour m'baga di boulos, mon cher, tout m'ka comprenne qu'on y a pour qui raison t'ap soutenir Jovenel. Mais c'est Jovenel qui faut jouer contrat avec lui pour bal matériel pour 50 millions de dollars. Ou t'as gen intérêt de soutenir Jovenel. Mais jounen jodi a qu'on y a gen ambition pour vine président. Là, Jovenel. Jovenel pas bon encore. Ou m'en enragé. Mais pas oublier qu'on y a un contrôle, ou fin si un contrôle avec Jovenel, avec l'État. Le fin si un contrôle avec l'État, qu'on y a retiré quoi? Hein? Et pour retirer quoi? Est-ce que c'est sérieux, non, monsieur? On a qui dit comme ça, l'île est le pays d'Haïti, et puis choix économique, li, c'est choix qu'à l'écoute pays, hein, mais. Hein? Pour ne pas dire comme ça que, il prend 50 millions de dollars pour le Jovenel matériel, dans le contrat, et puis qu'on y a, pour dire Jovenel pas de beaucoup. Qu'on a pour dire moun journée jodi a Jovenel pas bon pour non Jovenel pas bon pour peuple haïtien parce que Jovenel quitte peuple haïtien sans l'hôpital général pour moun a mouri mais pour ou t'es bon non faut dire pour ou t'es bon parce que journée jodi a qui est-ce qui gen contrat 50 millions de dollars non mais jusqu'à ce que l'état doit 20 millions de dollars c'est ou même lié hein 50 millions de dollars matériel c'est ou même qu'on a ou Jovenel t'es bon pour qu'on a gen droit sur l'autre contrat. L'allemand de Jovenel pas signé. Hein? Et puis, s'attendait à la Zimpété. Il n'y a pas notre contrat, ça. Ou bien, cacao, il a le temps de changer quand même. Hein? Il change quand même. Hein? Et ça passe là, il change quand même. Et puis, Matelili, même, non, sont l'autre intelligent. Matelili sont l'autre maître d'âme. Pabli, Matelili, c'est notre milatier. C'est avec milatier qui fonctionne. Matelili, même avec milatier, ranger quand même là. Puis, on prend contrôle tout le système là. C'est ça que tout le monde est enragé. Il a pris tiré boulot, il a pris tiré Dimitri. Tout le monde. Son bagage mafia là, net qui là. On vend tout net ça yo. Surtout de nous les bourgeoisies en Haïti. C'est parasite d'État. C'est de l'État yo vivre.
humilié. Ça nous donne des les bourgeoisies en Haïti. C'est l'État qui fait vivre. Il n'y a pas produit, non? Il n'y a pas produit, il n'y a pas investi, non? C'est tout. C'est ça que la politique est en bas comme ça, oui. Tout c'est ça que la politique est en bas, en mode enragé comme ça, oui. Tout c'est de l'État qui vivre. Tout après tout le contrat dans l'État, oui. L'État. Mais comment vous faites? Tu es même qui est dans le système, non? Comment vous faites? Yo mal récord non britio avec FMI Banque mondiale FMI avec Banque mondiale yo prend contrôle politique là dans démocratie yo financer parti politique pour aller dans l'élection et puis les nègres arrivent dans le pouvoir ou comment ça fait yo ranger corps pour nèg là al signer accord bilatéraux ou bien al des contrats dans mes étrangers. Et puis, sortant de l'argent, ça, yo fait l'État. Yo fait l'État. Ou comme ça, yo fait, yo pimp l'État haïtien. Bourgeoisie haïtienne, pimp l'État haïtien. Pimp l'an veut dire, yo fait l'État haïtien tourner bousin pour l'État haïtien allemandé et FMI, allemandé communauté internationale à l'argent. Et puis, yo même maintenant, yo vini pour prendre l'argent, ça, yo. Et puis, yo prend l'argent sous forme contrat. Et puis, autant de frapper les sommes. Et contrat, on fait à l'État haïtien, oui. Et contrat, on fait à l'État haïtien. Oh oui, c'est contrat, on fait à l'État haïtien. Et contrat, oui. T'es contre faire à l'État haïtien. Pendant ces temps, yo choisi, yo contrôle l'élection, yo contrôle la démocratie. Parce que pas oublier la démocratie a un coût. Parce que faut yo financer la démocratie, faut gagner l'élection qui fait yo financer. Nèg yo besoin qui contrôle l'État au plus haut sommet de l'État. Les nèg yo qui contrôle là, yo continue à tête grain, yo prend contrôle li. Yo acheté depuis au commencement, depuis le processus électoral là, yo acheté, depuis la campagne là, yo acheté. Là yo fin acheté la campagne là et puis yo voye émissaire à faire mendicité dans communauté internationale là pour yo. Aldeye aide internationale, aldeye allemande, al fait mendicité dans FMI, et puis ouais nèg OEA, gouvernement nous, hein, ouais tout nèg yo mette président, ouais ministre, ça ouais ministre fait, ministre tellement, yo mette yo là parce que yo mette yo pour contrat, et puis ouais mette ministre à valise nan men yo, et puis nèg yo écrit une série de projets route, projets ceci, menti oui, projet pour yo aider pep nan misère, pep pas à manger, projet l'hôpital, et puis yo mette plein valise ministre nan, ministre yo avec projet, et puis yo voye yo al fait mendicité nan mes communautés internationales là. Oh oui, nous te chita avec NID, oh oui, nous te chita avec USAID, oh oui, nous te chita avec nous nan coopération, oh coopération bullshit, mendicité oui, mendicité oui, l'État ici a fait de vos communautés internationales là, et puis yo parle de coopération, pas coopération crasse non, mendicité oui. Allemand de cob, elle traîne bak yo, et puis là, elle parle devant la communauté. Premier bagay yo fait, oh oui, 60% peuple la pas à manger, 80% peuple la pas contre, li sous d'autres peuple la oui. C'est ça que yo pas besoin, tenez bien, c'est ça que yo pas besoin, ou qu'on lit ou qu'on écrit, c'est ça que yo pas bon l'hôpital, yo pas bon mec chouke production nationale, parce que nèg yo prend l'État haïtien, yo fait l'État haïtien tourner bousé pour l'État haïtien al marché, coucher sous dos. Bay communauté internationale là pour dégouder pour dollar américain. Autant de communauté. Et puis, vous avez des diplomates en Haïti. Vous avez des vins sous toute forme. C'est ça pour ONG envahi le pays. Vous avez des vins sous toute forme. Vous avez des l'ONU en Haïti. Vous avez des OEA en Haïti. Vous avez des OI, programme des Nations Unies, bullshit en Haïti. Tout le bagage ça rempli. Vous crasez l'État. Vous crasez l'État. Vous avez crasé l'État. Et puis, vous faites l'État tout le monde. Allemand dit avec Tikouili. On a l'État à venir avec Tikobla. Fin fait bouser dans toute communauté internationale là. Alde son pantalon devant toute communauté internationale. Alde est juste Taïwan. Et puis on est. Yo humilié l'État ici comme bouser tout, oui. Yo humilié comme bouser, oui. Ou est Taïwan. Taïwan ballon tic. Bye l'État haïtien tourne bouse après des dégoudins parce qu'on pas ka produit ou pas ka rentrer taxes mais yo kembe l'État dans pauvreté ou pas des bras pour fonctionner yo la mon mendicité et pour essayer ça fait nèg yo bataille pour mettre gouvernement pa yo nèg yo bataille pour mettre ministre parce que faut voir ministre a demandé c'est ministre ça pour porter projet volé projet vicié pour y demander coopération pour aller baisser devant communauté internationale là ouais nèg yo vinn ramper yo ti sous yo vicieux
Parce que modèle l'État yo bay là, modèle l'État bourgeoisie a besoin, c'est un modèle l'État bousin. Ça veut dire nèg pour le mettre pour diriger l'État. Ça c'est les sont d'un nèg qui gen ti mentalité perlin, tout ti mentalité bousin. En ti moment yo gen dans l'EVJ, la communauté internationale a dit levé porte à l'être. Bloc et puis yo gen dans l'EVJ yo là et puis yo vini. Oh oui, ou pas, on pas ka manger ti kòt même. C'est modèle d'homme ça yo, mais nèg qui gen caractère. Nèg ti no tête d'un qui gen caractère, pas d'accord yo non. Yo pas voter pour ça yo non. Non, d'accord, parce que Nexa va dire non, il faut qu'on production nationale, il faut investir dans la production nationale. Nexa va faire exigence pour une production nationale qui vous fait. Il faut Nexa va prendre gens pour l'entrer dans la compétition, pour Nexa investir dans le pays. Non, je ne suis pas d'accord. Il y a besoin de Nexa qui prend des dollars américains pour eux. L'entente de l'État, il s'est venu avec projet, il s'est signé dans la FMI, il s'est signé dans la Banque mondiale, ou il s'est prêté combien d'argent, il s'est prêté. Ou pensez-vous que les Parisiens ont besoin de la donne? Moi, je suis besoin de l'hôpital. Moi, je suis besoin de bagaille. Non, les papes, je n'ai pas pété. Les papes, je n'ai pas pété là-dedans. Les papes, je n'ai pas pété. Comme là, on dit que tu es des accords signés. C'est là que vous enragé là. Ou est-ce qu'on a un gouvernement? Tout le monde est enragé là. Parce que vous l'argent qui promet. Parce qu'il faut un gouvernement pour l'argent signé. Pour prendre l'argent. Ouais, c'est pété. Bataille! Tu es beau. Ou tu es que l'argent vini blau. Ou tu es tout le monde qui est couché sous dos. Bourgeoisie arrête de paraître là, papa. Vous êtes vini. Appel d'offres, travail fait. Appel d'offres est en fait et pourquoi tout n'est pas venu à contrat parce qu'il y a l'argent. L'État ici se fait bouger, vinder l'argent, l'autre bois là, il se prête l'argent et puis tout de l'argent entre bon. Il y a un baracop, Banque mondiale, Banque Banque BRH qui est en recevoir l'argent en dollars américains et puis s'entendez à la tout, BRH nous prend l'argent là et Banque mondiale bail et FMI bail et puis coopération bilatéraux bail et puis s'entendez à la tout et puis tout secteur dans bourgeoisie qui est venu avec les projets. Il y a des contrats. Tout le monde qui a été ministre par eux, il y aurait les ministres. Ah! Ministre tel. Ça passe là. Il y a de l'argent entre lui là. Ça passe l'argent débloqué. Oh oui, oh! Combien de millions de débloqués là? Oh, 150 milliards. 150 millions, 250 millions de débloqués. Oh oui, ah bon, l'argent débloqué. Ou qu'on est projet dans sous tabou. Projet dans sous tablaï. Et vous tendez. Oh yeah. Donc, il y a pas audit. Où est-ce qu'on est là? Et puis, vous tendez à la tout. Projet a été signé avant même. Est-ce que corruption, oui? Projet a été signé avant même de faire marché public, de mettre dans la rue, de faire ça pour appel d'offres. Projet a été signé. Ou même dans le appel d'offres, vous pensez que vous avez un sérieux qu'a fait, ou vous avez un projet sérieux, ou vous avez un projet côté où vous voulez investir dans le pays, ou vous avez besoin de développer le pays, ou vous avez un projet qui pour aider le pays à développer. Et pour un ministre, quand on regarde comme ça, ministre agriculture ou bien ministre volé, ou météa, et puis le garde, il dit, oh oui, c'est un très bon projet. Oui, oh, c'est un bon projet. Oh oui, projet de développement économique pour le pays d'Haïti. Oh oui, c'est un bon projet. Ah, il y a plus de chance pour passer. Il y a plus de chance pour le passer. Hein, c'est un bon projet. Ah, bon, on va le garder, on va le soumettre avec l'équipement, pour l'équipement bien analysé, faisabilité. Là, moi, c'est des gros thèmes techniques, on compte ces technocrates volés vicieux. Oh oui, faisabilité. Projet ça, oui, c'est intéressant. Oh, oui, regardez, oui, je pense que je n'ai pas dit, attendez, là, nous avons contrôlé toute commission nationale qui est chargée pour vérifier le projet à faisabilité. Et puis, attendez, et puis les projets ça apparaît, et puis, ça, quand tu dis ça, parle qui va être développement, ça va être fait là, il n'y a pas comprendre ça va être fait là, et puis, attendez, on dit non, projet ça va être passé, bim, tout projet qui a des pays à sortir dans cette situation là, je sors, il était coupé. Il faut le jeter, quand on veut le jeter, et puis s'entendre à la tour, zépéter, et puis nous prendre un courri, et puis payer arrêter Jean-Nier. Moi, c'est le bail, m'a dit, mes chers amis, pour me terminer. M'a dit nous ça. Pour tout le monde qui a attendu nous là. Le problème du pays d'Haïti, c'est le problème de chaque grand haïtien. Mais j'ai un système dans l'air là. Modèle économique nous gagne la journée aujourd'hui là. Jean nous on a fonctionné en dedans pays ça là. Secteur bourgeoisie ça on gagne là, classe politique on gagne là. Mode média journaliste ça nous gagne en dedans pays là. Mon cher m'pa dit nous menti. Nous grand pile travail qui vous fait. Si nous pensons c'est dans réforme, nous ca résoudre problème pays ça là, nous fou. Démocratie ouais nous vend nous en Haïti hein. Son démocratie qui coûte lié ou besoin l'argent pour financer et tout nèg qui besoin dans politique yo connaît faut vendre conscience ou bay bourgeoisie de quoi pour faire job bourgeois sous pas faire leur des problèmes et bien c'est ça t'explique journée jodi
Bounos gen doit sentir qu'elle dépense trop l'argent. Il pas vle nèg ça encore. Quand il a décidé c'est lui même qui boit sous tête bœuf là. Il décide c'est lui même. Moi pas de problème sur citoyen MJ. Il ca toujours aller. On d'accord avec. Mais puis gamin c'est vinn vendre moun ko produit ou pas produit dans pays brother. Ou pas produit en Haïti, pas tête ou menti. C'est commerce ou fait. Gon grande différence. Ou son nèg qui achète en gros qui vend en détail. C'est dans le commerce oui, ou pas dans la production. Pour me dire au sérieux, c'est dans la production. Si tu es dans la production, tu investi en dedans pays. C'est là ça que je prends au sérieux. Je me dis peut-être, monsieur, un projet pour le pays. Peut-être, en tant qu'on dit au Libanais, même qu'on est bien, c'est logique commerce qui n'a pas. C'est logique profit qui est tout. C'est logique commerce ou pas dans l'intérêt de l'État. C'est ça que fait. Je ne parle pas d'où parler dans le bagage. Mais un seul bagage. Je fais une vidéo ça pour m'ouvrir je peux pas ici pour nous comprendre le système là pour nous comprendre game cap jeu là et c'est pas un bagage merci ça m'a fait dire nous là c'est pas un bagage merci c'est un bagage qui gagne non seulement un poids historique là-dedans mais gagne un poids sociologique là-dedans mais gagne un poids géopolitique et géostratégique là-dedans là où yo dou pied nèg la marié dans l'état il pas ta faire ça pour le faire effectivement de bouter manger l'argent bourgeois. Faut bali. Pas vinn prend pause ou président puis au maré, pas vinn prend pause. Oh oui, m'pa ka fè rien, pas vinn fè ça. Puis au maré, c'est parce que t'es mangé, l'autre a parlé dans campagne, elle était bon pour ou, ou t'es choisi par peuple haïtien menti. Pour t'es arriver au petit mot des affaires, qu'on y arrive dans petit mot des affaires, dégager pour diriger pays là. Pas vinn plaindre bay moun, a vinn dire oui, c'est PM qui maré, c'est nèg pas vrai ceci, c'est nèg ou t'es connais ça bien, l'autre a mangé l'argent nèg yo. Les yo t'a bodi ou ya pour atol pour te poter on te connaît bien. Ou pas ton initié dans politique. En laisse ou t'es honnête sort ou penser que yo t'a pas bodi toute bagaille pour un hélicoptère pour grand messi. Menti. La démocratie a un coût. Moun qui finance la démocratie hein, son investissement le fait. Les nèg la investi, li investi dans démocratie, li investi dans processus électoral, faut l'entrer l'argent là. La démocratie a un coût. Pas ba tête ou menti bluffé. Eh bien, mes chers amis, je ne j'ai dit, hein, je pense qu'il faut repenser comment faire journaliste en Haïti. Il faut que vous preniez paix pour être capable de poser des questions sérieuses avec les gens qui sont devant vous. Il faut que vous instruisez tout pour vous former, pour vous cultiver, pour ne pas venir voir et monter dans le figu monde, pour venir dans un ensemble de données, pour avoir capacité intellectuelle, capacité d'analyse et de synthèse, pour interpeller nos dirigeants et nos hommes d'affaires sur des enjeux cruciaux. Pour pays, non seulement en matière économique, des enjeux économiques, mais sociaux, des enjeux sociaux aussi, pour permettre à ce que je ne dis pas pour une prise de conscience, puis qu'on est en 2021, en 2019, je ne dis pas au 21e siècle, pays d'Haïti, pas carré des gens. Mes chers amis, c'était un plaisir pour me dire avec nous, que Dieu bénisse nous, soit passé bon après-midi.